Psaume chapitre 116, nous lisons la parole du Seigneur. Psaume 116, nous lisons la parole de Dieu. Je me réjouis de ce que l'Éternel entend ma voix, mes supplications. Car il a penché son oreille vers moi et je l'invoquerai toute ma vie. Les liens de la mort m'avaient environné. Et les angoisses du sépulcre m'avaient saisi. J'étais en proie à la détresse et à la douleur, mais j'ai invoqué le nom de l'Éternel. Ô Éternel, sauve mon âme. L'Éternel est miséricordieux et juste. Notre Dieu est plein de compassion. L'Éternel garde le simple. J'étais malheureux et il m'a sauvé. Mon âme retourne à ton repos. Car l'Éternel t'a fait du bien. Oui, tu as délivré mon âme de la mort, mes yeux des larmes, mes pieds de la chute. Je marcherai devant l'Éternel sur la terre des vivants. J'avais confiance lorsque je disais, je suis bien malheureux. Je disais dans mon angoisse, tout homme est trompeur. Comment rendrai-je à l'Éternel tous ses bienfaits envers moi? J'éleverai la coupe des délivrances et j'invoquerai le nom de l'Éternel. J'accomplirai mes vœux envers l'Éternel en présence de tout son peuple. Elle a du prix aux yeux de l'Éternel, la mort de ceux qu'il aime. Écoute-moi, ô Éternel, car je suis ton serviteur, fils de ta servante. Tu as détaché mes liens, je t'offrirai un sacrifice d'action de grâce et j'invoquerai le nom de l'Éternel. J'accomplirai mes vœux envers l'Éternel en présence de tout son peuple, dans les parvis de la maison de l'Éternel, au milieu de toi, Jérusalem. Louez l'Éternel. Amen. Je connais ce Dieu puissant qui relève tout défi. Peu m'importe si le mal surgit, l'Éternel est dans le camp, l'Éternel est dans le camp, l'Éternel est dans le camp, moi je garde confiance, l'Éternel est là. Nous avons confiance en notre Dieu. Nous savons que tu es présent, mon sauveur. Lorsque tu es présent, tu es le bon berger. Et nous sommes tes brebis, le troupeau de ton pâturage, mon sauveur. Que ta main glorieuse te conduit encore, Père. Aujourd'hui, dans cette matinée, dans cette journée, Père, nous voulons te dire vraiment merci. Merci d'être avec nous encore ce matin, Seigneur, parce que au travers des chants et des cantiques, nous avons réalisé ta présence, Seigneur. Nos cœurs ont été saisis, nos âmes, nous avons dansé, nous avons sauté de joie, Père. Et cela est aussi bon pour nous, mon bien-aimé, Père Tout-Puissant, de pouvoir ainsi te chanter, Père. En reconnaissance de ce que toi, tu es, ce que tu es, ce que tu as fait, ce que tu fais, ce que tu feras encore pour nous, Père. Et nous te disons vraiment merci pour cela, Père. Nous t'as réellement aussi ramené en cet endroit parce que tu veux que nous puissions avoir communion avec toi et aussi avec ceux-là que nous avons aussi donné, mon bien-aimé Seigneur, nos frères et sœurs et ceux aussi qui sont aussi en connexion encore aujourd'hui, Père. C'est toi qui conduis le pas des justes, mon bien-aimé Père Tibissant. Tu as vu les désirs de tes enfants pour être dans ta maison encore aujourd'hui, mon bien-aimé Père Tibissant. Oh, certainement, c'est vrai, mon bien-aimé Père Tibissant. Nous voulions y être tous ensemble, Père, pour pouvoir réellement te glorifier, recevoir ta part aussi, ta parole à toi, bien-aimé Père Saint, pour que nos cœurs puissent être positionnés encore davantage, mon Seigneur. Nous voulons vraiment avoir la paix avec toi, mon bien-aimé Seigneur. Nous voulons vraiment avoir la joie avec toi, mon bien-aimé Père au Dieu, et marcher vers véritablement avec toi, Seigneur. La foi que tu as donnée, bien-aimé Père Tibissant, pour encore être édifiant encore davantage, Père. Nous voulons avoir cette foi véritable, mon sauveur, qui s'accroche davantage à toi, Père Saint, pour mon frère et pour ma soeur, pour nos enfants. Seigneur, nous voulons vivre pour toi, Père. Puissions vous accorder cette grâce. Tu l'as fait ce matin encore, Seigneur. Donne encore le souffle de vie, mon bien-aimé Père Tibissant. Nous soyons parmi les vivants, Père. Et c'est vrai, ce sont les vivants qui te louent saintement, Père. Et nous sommes parmi ceux-là, mon bien-aimé Père Tibissant, que tu as accordé la grâce à la vie encore ce matin, Seigneur. Sois béni pour le psaume, sois béni encore pour chaque chose qui a été fait encore ce matin.
Nous te remercions pour ton amour et ta bonté, Seigneur, pour tes compassions, car nous t'avons ainsi prié, Père, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Que notre Dieu soit béni, que son Saint-Nom soit exalté et glorifié, que la paix du Seigneur soit avec vous. Vous pouvez vous asseoir. Combien il est bon, il est vraiment bon, notre Dieu. Et pour nous aussi, il est bon de le louer de tout notre cœur, parce que c'est lui qui garde les pas de chacun de nous et qui nous accorde encore la grâce de pouvoir encore du jour sur cette terre, afin de pouvoir réellement aussi les célébrer, les louer et l'adorer comme il voudrait effectivement. Ce que nous désirons, c'est que le Seigneur fasse son œuvre, son travail dans chacun, afin que nous puissions lui donner effectivement ce que son cœur, ce que lui, il attend de nous. Et qu'effectivement, que lui puisse aussi trouver la joie dans chacun de nous, parce que nous désirons que le Seigneur puisse marcher avec nous tous les jours de notre vie. Notre désir, c'est de pouvoir le voir, comme un cantique dit, je désire le voir un jour certainement, et face à face, et c'est aussi les désirs qui animent chacun de nous. Parce que nous le servons, nous avons aussi cette foi en lui qu'un jour viendra, effectivement, comme nous a fait la promesse de pouvoir venir nous chercher. Nous l'attendons avec beaucoup de reconnaissance. C'est pour ça que nous nous préparons, effectivement, parce que quand nous pouvons regarder aussi autour de nous et réaliser combien les choses sont en train de pouvoir avancer avec précipitation aussi, et combien aussi le monde est dans cette tournoiement, effectivement, aussi, et les hommes, les politiciens, et tous les religieux aussi, ne voient pas tellement très bien, mais maintenant, ils s'accrochent simplement aussi à ce que ils veulent défendre, ce qu'on appelle la nature, effectivement, aussi, vous voyez, comme ils disent, effectivement, l'écologie, il faut qu'on puisse faire ces cimes, parce que la couche d'ozone, les choses commencent à pouvoir la chaleur monter, ainsi de suite, effectivement, alors réduisons. Mais bon, on peut réduire, mais cela ne changera absolument rien. Il n'y a personne qui peut colmater la couche d'ozone. Peu importe, même si vous éliminez toutes les voitures et que même il n'y a plus rien, qu'on marche à pied, il y aura quand même du gaz. Bon. Et bon. Ce que les gens ne comprennent pas, c'est qu'on ne peut jamais stopper les plans. Nous sommes en plein en train de vivre effectivement ces choses, et c'est pour ça que nous devons être reconnaissants à notre Dieu de ces privilèges que nous avons de pouvoir le connaître, et surtout aussi l'invoquer et l'appeler réellement comme étant notre Père. Il est vrai qu'il y a des circonstances sur la terre qui arrivent aussi, dans notre marche aussi, et cela aussi attriste aussi le cœur, mais nous savons que notre Dieu est un secours. Il est là effectivement aussi pour pouvoir réellement nous conduire et nous tenir aussi par sa main, et puis nous assurer aussi effectivement que nous allons arriver au bon port. J'ai eu à pouvoir apprendre une nouvelle qui n'est pas bonne, évidemment, c'est hier que je crois que c'était hier, on m'a appelé effectivement par mon précieux frère Bernard, il était donc là-bas, il m'a appelé pour me dire que je crois que, plus je ne les connaisse pas, mais quelques-uns, je pense, c'est le pasteur qui a prié pour le mariage de notre frère Joao et notre sœur Grace. Le pasteur Guido, je crois que quelques-uns le connaissent. Il est donc rentré à la maison. Et cela s'est passé, je pense, c'était hier, je pense. Nous sommes dimanche aujourd'hui. Nous sommes dimanche, hier c'était samedi, vendredi. C'est très douloureux parce que ça a été un moment, c'était un peu brusque comme ça, je pense. Il est donc rentré à la maison et je voulais me rassurer parce que le frère m'a appelé, le frère Bernard n'est pas là, il était aux États-Unis, c'est là qu'il m'a appelé. Et en au sens là, j'ai dit, je vais vérifier pour voir si les choses en sont ainsi. J'ai appelé donc le papa de notre sœur Grace, parce que j'avais son numéro de téléphone, puisqu'ils sont dans son église, pour lui poser la question. Il m'a dit, non, il va très bien, et il est là. J'ai dit, mais vérifie quand même. On peut poser la question pour vérifier. C'est comme ça qu'en vérifiant, effectivement, ils ont trouvé que la chose était donc ainsi. Il est donc rentré à la maison. Et je crois que d'après ce qu'il m'a donné comme information, aujourd'hui, il m'a envoyé un message pour me dire que l'enterrement aura lieu le vendredi. Mais comme ils sont de Bruges, ils habitent donc à Bruges, ce sera donc là-bas que cela va se passer ainsi. Nous allons donc prier pour
de sa famille, aussi pour les frères et sœurs aussi de l'église dans laquelle il conduisait. Notre Père et notre Dieu, nous sommes des pèlerins sur cette terre, mon bien-aimé Père Tubissant, et nous ne savons pas combien de temps. Mais nous te prions encore aujourd'hui parce que tu es vraiment le consolateur, mon bien-aimé Père Saint. C'est toi qui consoles les âmes, c'est toi qui soutiens aussi encore. Père, béni soit ton Saint-Nom, toi qui es l'alpha et l'oméga. Tu es le Dieu qui accorde encore la grâce, mon bien-aimé Père Tubissant. Je te prie encore avec ton peuple ici, Père, pour cette famille qui vient de pouvoir perdre, oh Dieu, leur père, mon bien-aimé Père Tubissant, pour la soeur qui vient de perdre effectivement son mari, pour les enfants qui ont perdu leur père et les petits-enfants, leur grand-père, mon bien-aimé Père Tubissant. Et par-dessus tout, effectivement, l'église qui a perdu aussi le pasteur Sauvard. Nous prions que tu puisses vraiment le consoler, mon bien-aimé Père Tubissant. C'est un moment qui n'est pas facile, mon bien-aimé Père Tubissant. C'est un moment difficile, mon Seigneur. Mais tu es vraiment le consolateur des affligés, mon bien-aimé Père Tubissant. Tu n'as jamais laissé ton peuple seul, mon bien-aimé Père Dieu. En ce temps de difficultés, mon bien-aimé Père Tubissant, des tristesses dans le cœur de cette famille, Père Dieu. Seigneur, que tu puisses vraiment étendre ta main, mon bien-aimé Père Tubissant, et fortifier. C'est vrai, ils savent qu'ils ont l'espérance de pouvoir le revoir de l'autre côté. Nous avons confiance en toi parce que tu es réellement notre Dieu. Nous avons la grâce de te connaître. Il te connaissait sur la terre, mon bien-aimé Père Saint. Sois béni pour cela, mon Sauveur, et sois glorifié, Père. Nous rendons gloire à ton nom pour tout ce que tu fais. Merci parce que tu es réellement notre Dieu. Soutiens la famille, car nous t'avons ainsi prié au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Que le Seigneur soit béni et aussi glorifié. Celui qui donne et aussi celui qui reprend. Il reprend quand il veut. Et notre Dieu est bon parce qu'il fait ce qui lui plaît. Et nous l'aimons pour cette décision aussi. Que le Seigneur bénisse richement notre précieux frère. Oui, mon précieux frère, tu peux venir. Oh, oh, yoyoyoy. Mon frère Zaché, c'est notre frère Robert ici. L'époux de notre sœur. Oh là là. Oh, c'est triste. Notre frère Robert, l'époux de notre, notre sœur Dorine, a perdu son papa ce matin. Ah, c'est vraiment triste. Que le Seigneur me console. Oh, c'est triste, quand même douloureux. Nous allons prier pour lui, sa famille aussi. Oh là là, tendre père et précieux sauveur, c'est très difficile de perdre aussi un papa comme notre précieux frère Robert. Seigneur, que tu puisses vraiment le consoler avec toute sa famille, mon bien-aimé Père Saint. Je vois aussi, oh Dieu, notre sœur Dorine, qui est aussi triste aussi, bien-aimé Père Tubissant, la famille tout entière qui se trouve là, et mon précieux frère est dans une situation douloureuse, mon sauveur. Que tu puisses vraiment le consoler, le fortifier et le bénir encore davantage, mon roi. Oh Dieu, il est là encore ce matin pour pouvoir te servir malgré les tristes nouvelles, mon bien-aimé Père Dieu. Nous implorons ta grâce, mon sauveur béni. Oh Dieu du ciel, ce sont des situations qui sont douloureuses aussi pour nos pères. Nous prions pour notre précieux frère, mon Seigneur Jésus. Tu connais l'amour qu'il a toujours pour toi, Père Saint, oh Dieu. Son papa est vraiment quelqu'un qui l'aimait aussi beaucoup, mon bien-aimé Père Tubissant. Être aussi loin et savoir que le papa est rentré à la maison, mon bien-aimé Père Tubissant. Seigneur, soutiens mon précieux frère. Soutiens toute la famille qui sera rassemblée là-bas, bien-aimé Père Tubissant, oh Dieu. Ils sont aussi consolés, mon bien-aimé Père Tubissant. Tu es le consolateur. Tu es le secours, bien-aimé Père Tubissant. Le soutien de nos âmes, mon bien-aimé Père Saint. Dans la tristesse, tu es aussi avec nous, mon bien-aimé Seigneur. Puisses-tu vraiment assister toute la famille entière et accorder aussi la grâce. Merci pour tout, Père, car je t'ai ainsi prié, mon sauveur, avec toute l'assemblée entière, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Oh, nos très sincères condoléances, mon précieux frère. May the Lord God bless you, brother, and then comfort your heart and in the family also. We love you, my precious brother Robert. And it is sad to hear that and to learn it, but it's our life in the way that... Oh, pardon. Que le Seigneur soit béni, il vous bénisse aussi et il vous fortifie. Je voudrais aussi, grâce à cela aussi, remercier aussi le Seigneur. Et je suis touché aussi dans mon cœur. C'est notre frère ici, Lloyd, je pense, il n'est pas là ce matin. Et j'ai appris que le frère Lloyd, et nous avons la sœur qui devait venir en fait, vous connaissez la sœur Clarisse, quand vous l'avez annoncé ici ce matin, qu'effectivement que, voilà, prier pour elle, elle est à l'hôpital ainsi. Je crois que je vous ai peut-être pas rendu ce témoignage, je pense, ben, en fait, ce matin, il devait être là. Et ce qui s'est passé avec elle, c'est que le Seigneur vraiment l'a visité, puisque
Il est vraiment dans une joie énorme pour pouvoir venir aussi ici à l'Assemblée. Et quand j'ai prié pour elle, je pense que lorsque je lui ai parlé des choses qui concernent le Seigneur, la parole de Dieu, quand il a pu voir effectivement comment Dieu fait les choses, et son cœur s'est vraiment ouvert, et je priais, il a accepté le Seigneur comme son sauveur personnel. Vraiment, avec une sincérité, elle disait que je n'ai jamais vu de choses comme ça aussi. Auparavant, je pensais que les choses de Dieu, c'était comme cela. J'ai dit non, comme je vous l'ai dit ici. Hein. Et évidemment, il a pu voir effectivement les choses comme cela. Alors, c'était les désirs profonds. Déjà depuis hier, elle m'a appelé pour me rappeler qu'elle devait venir ici, elle doit vraiment venir à l'église parce que c'est vraiment la joie de son cœur. Je lui ai dit, bon, on va venir te chercher ce matin. Effectivement, j'ai dit, bon, elle avait déjà parlé avec les médecins qui pouvaient sortir. Je suis allé donc à l'hôpital pour la chercher. Alors, elle avait déjà pris son sac, elle venait. Et puis, il y a un autre médecin qui a remplacé le médecin et qui vient, qui dit, non, on ne peut pas vous autoriser à pouvoir sortir. Et alors là, ce qui m'a touché, je n'ai rien dit, j'ai regardé maintenant la personne qui parlait. J'ai vu une soeur, une personne vraiment de tout son... Elle a commencé à pleurer à chaudes larmes. Et pleurait vraiment, dit non, je dois aller à l'église, je ne peux pas rester ici. J'ai dit, même s'il faut que je signe des papiers, que je dois sortir, je dois rester, je dois partir à l'église. Elle pleurait vraiment, je la regardais, j'ai dit, Seigneur. Elle dit non, ça fait des années, je n'ai plus jamais été à l'église. Aujourd'hui, elle dit, je me suis levé très tôt ce matin. Je crois depuis 6 heures comme ça, parce qu'à 8 heures ou 9 heures, elle m'a encore appelé. J'ai dit, mon Dieu, je veux arriver, effectivement. Mais vraiment, ça m'a touché. Il a commencé à pleurer, Il dit, je dois partir à l'église. Et le médecin dit, non, je ne vais pas prendre cette responsabilité de voir te laisser sortir parce que ceci. Il dit, non, je me sens bien. Il dit, alors elle ne m'a fait pas quand je suis rentré. Bon, je lui ai laissé effectivement aussi la possibilité de pouvoir au moins voir, suivre effectivement aussi la réunion. Mais j'ai dit que je repasserai là-bas. Mais elle a besoin de vous, en fait. C'est votre sœur aussi, je crois que... Elle m'a fait part, effectivement. Elle dit, ah, il y a quelqu'un qui était venu me voir ici. J'ai dit, oui, parce que je partais. Il dit, je pensais que c'était un bénévole qui travaillait ici. Il me dit, non. Elle me dit, non. Et moi, je viens de l'église. Je suis de l'église où on est venu prier pour toi. Il dit, mais c'est qui? Il me dit, mais il s'appelle Lloyd. Lloyd, qui est allé la visiter. Ça l'a beaucoup touché aussi. Et ça l'a vraiment réjoui aussi le cœur. Nous allons prier pour elle, moment pour que le Seigneur l'assiste. Notre Père, notre Dieu, ce matin, nous voulons te dire vraiment merci. C'est vrai, notre sœur Clarisse a vraiment pleuré à chaudes larmes, Père, et avec les désirs profonds de pouvoir venir dans ta maison à toi. Tu as vu toi-même combien elle a pleuré comme un enfant devant les médecins, devant les infirmières, décidée, déterminée à vouloir venir dans ta maison à toi pour écouter ta parole, Père. Nous prions pour que tu puisses la bénir et l'assister là où elle est, mon bien-aimé Père Tibissant, parce qu'elle a besoin de toi, d'être totalement guérie, totalement restaurée, bien-aimé Père Tibissant, parce que tu es le Dieu qui soutient, qui fortifie encore, Père. Elle compte sur toi, mon bien-aimé Père Tibissant. Tu l'as guérie, elle l'a vue, elle sait, elle a pu voir le changement aussi profond que tu as accompli encore dans son âme, mon bien-aimé Père Dieu, que tu la soutiennes encore, Père Tibissant. Merci parce que tu as déjà ouvert une porte, bien-aimé, que personne ne pourra fermer pour elle, mon bien-aimé Père Saint. Nous te remercions pour cela. Merci pour notre frère Lloyd encore, bien-aimé Père Dieu, que tu le bénisses pour son amour, Père Tibissant, les déplacements qu'il a pu avoir aussi là-bas pour aller visiter notre sœur. Nous te rendons gloire et honneur, car nous t'avons ainsi prié pour elle. Au nom du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Nous avons notre sœur, je pense que... Ah oui, j'ai dû comprendre que... Vanessa? Elle a accouché? Donc j'ai pu comprendre que notre sœur, la fille de notre frère, elle a accouché. C'est un garçon ou une fille? Une fille. Ah, que Dieu soit béni. C'est simplement pour savoir, hein. Un garçon, une fille, gloire à Dieu. Nous sommes heureux, il n'y a pas de problème. Il est accouché donc d'une fille. Nous remercions Dieu pour cela, qui lui a donné la force aussi de pouvoir aussi être aussi forte comme ça et nous donner des enfants comme ça avec beaucoup de joie. Que Dieu la bénisse richement. Et ce matin aussi, j'étais aussi touché dans mon cœur. C'est quand même fort, hein. C'est merveilleux de voir combien il y a des enfants de Dieu qui aiment tellement les Seigneurs et ça vous touche le cœur. Il s'agit de Rebecca. Rebecca, vous la connaissez, cet enfant, c'est extraordinaire. Vous savez, hier, elle m'a appelé, elle me dit, je l'ai eu au téléphone, il dit, ça fait mal, ça fait mal. J'ai dit, ok, comme ça, vous savez qu'elle va accoucher bientôt.
Alors, je lui ai dit, mais écoute, je pense qu'il faut que tu puisses voir, parce que pour faire les chemins de la France jusqu'ici, lorsque tu es déjà presque prêt à terme pour pouvoir venir, ça va être compliqué, hein. Et alors, je lui demande, mais un peu à quelle fréquence, il m'explique un peu. J'ai dit, chérie, je crois que c'est mieux que tu voyes un peu pour pouvoir rester. Il dit, oui, je vais regarder jusqu'à minuit. Et alors, il me dit, parce que jamais, depuis que je suis allé à l'Assemblée IMC, je n'ai jamais manqué un dimanche. Alors, c'est catastrophique si je peux manquer ce dimanche. J'ai dit, essaye de voir. Et minuit s'est passé, on s'est réveillé le matin, alors j'ai surveillé mon téléphone. Pour voir si on ne m'a pas appelé, pour dire s'il a déjà couché, je regarde mon téléphone, pas d'appel. J'ai dit, oh, est-ce qu'on a oublié de m'appeler ou pas? Mais je prends les devants, j'appelle. J'ai dit, ouais. Il dit, ah, papa, il n'y a pas de problème. J'ai dit, mais tu es où? Je suis en chemin. J'ai dit, en chemin. En chemin pour aller où? J'ai dit, pour venir à l'église. J'ai dit, et comment ça se passe? Il y a des douleurs, mais quand même, je sens que je peux tenir. J'ai dit, Seigneur Jésus. Non, vous savez, frère, c'est très touchant. Très touchant de pouvoir ça. Il est dans la voiture. J'ai dit, mais il dit non, avec l'aide du Seigneur, je vais arriver à tenir. Puis on a prié. Je crois que c'est demain lundi que je vais accoucher. J'ai dit, Seigneur. Ah, c'est merveilleux. Ah, c'est très touchant. Vous savez, c'est une responsabilité, hein. Mais c'est très touchant de voir avec une telle foi comme ça. J'ai dit, mon Dieu d'amour. Oh, à ce moment-là, vous dites, Seigneur, aide-moi pour pouvoir tenir ferme pour que ce peuple avance. C'est extraordinaire. Que le Seigneur vraiment la bénisse richement et nous allons prier pour elle. Hein? Notre Père et notre Dieu, nous nous tenons devant ton trône de grâce. Voir une telle foi, voir une telle confiance, mon bien-aimé Père Tibisson, avec une telle distance, Seigneur Jésus, pour ta fille, mon sauveur. Elle s'est accrochée, s'est levée le matin. Oh Dieu, en entrant dans la voiture, venir jusqu'à cet endroit pour pouvoir te servir. Malgré qu'elle sait qu'elle peut d'un moment accoucher, mon bien-aimé Père, oh Dieu, mais n'a pas regardé cela, elle a parcouru la distance pour toi, mon sauveur. Que tu la bénisses, mon Père, je t'en supplie, oh notre Dieu. Que tu l'assistes pendant l'accouchement, bien-aimé Père Saint, parce que réellement tu es notre Dieu. Sois donc béni, sois donc exalté, sois donc glorifié encore pour tout ce que tu fais pour nous, mon bien-aimé Père Tibissant. Nous sommes touchés de voir la foi de tes enfants, mon bien-aimé Père Tibissant. Cela touche nos cœurs, mon bien-aimé Père Tibissant, nous démontre le sérieux, l'amour n'a pas qu'ils ont réellement pour ta parole à toi, mon bien-aimé Père Tibissant, cet endroit, aide-nous, Père, à tenir encore ferme, Père, pour que ce peuple puisse aller de l'avant, Père Saint. Sois béni et glorifié encore aujourd'hui. Oh, bénis-la richement, mon bien-aimé Père Saint. Son mari, Père Tibissant, ses enfants, ses soeurs aussi, ses frères, toute la famille entière, mon roi. Je t'en suis reconnaissant pour ce que tu fais. À toi la gloire. Père, nous pensons aussi à notre soeur Vanessa qui a accouché. Tes prières aussi pour que tu la bénisses et la protège. Merci d'avoir assisté, bien-aimé Père Saint, oh Dieu. Que sois bien délivré dans la bonne manière, Père Tibissant, que l'enfant soit la Père. Nous te remercions pour cela. Sois donc béni et exalté. Nous t'avons ainsi prié au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Nous sommes consolés et nous remercions notre Dieu. Je pense qu'on vous a aussi lu les témoignages de notre sœur Rebecca, non? Ok, oui. C'est merveilleux, hein, de voir comment le Seigneur, d'une manière ou d'une autre, arrive à pouvoir réellement aussi inspirer au moment opportun, effectivement, pour que les choses soient réellement aussi positionnées pour ceux-là qui nous regardent d'un œil tout à fait malveillant. Mais nous considérons ce qui est terrible, c'est que la personne va à une église. Il joue même aux instruments, il considère Dieu comme étant un meurtrier. C'est quand même grave. Mais que les, oh oui, c'est cela en fait la religion. Mais nous prions Dieu qui nous aide effectivement, que nous puissions avoir une position selon la parole. C'est pour ça que nous le remercions pour les bienfaits qui ne cessent de pouvoir réellement aussi nous apporter, de manière à ce que nous puissions arriver à pouvoir vraiment considérer avec beaucoup de reconnaissance les privilèges que le Seigneur, notre Dieu, nous accorde pour que nous puissions être dans une position où nous avons des oreilles qui sont ouvertes, effectivement, afin de pouvoir vraiment entendre et surtout discerner. Discerner la voix du Seigneur, notre Dieu, et aussi la voix de notre imagination, et aussi cette voix qui est aussi la voix de l'ennemi, effectivement, et faire la part des choses. C'est pour ça que nous réalisons que ce que la Bible dit est toujours la vérité. Nous sommes dans une période tout à fait très délicate et très difficile et très dangereuse, effectivement, où on peut glisser facilement de l'autre côté et continuer à pouvoir penser qu'effectivement qu'on est dans la voie, alors que c'est vraiment de l'autre côté. C'est pour ça que le Seigneur pouvait vraiment arriver à pouvoir les dire qu'effectivement que si les élus seraient séduits, si cela était vraiment possible.
Parce qu'en fait, les choses sont tellement, tellement si près que quand on le regarde, effectivement, on pense qu'elles sont réellement aussi justes comme cela. Et vous pouvez remarquer que quand le Seigneur parlait, effectivement, comme dans le livre de Timothée, effectivement, dont il est écrit en disant de montrer, effectivement, aussi ce qui se passe, effectivement, dans les derniers temps, effectivement, surtout dans le temps où nous sommes, effectivement, comme il dit, mais sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Mais quand la Bible dit de temps difficile, c'est vraiment considéré comme un temps difficile, vraiment difficile. Parce que si c'est des temps difficiles, ils le sont. Et nous pouvons le voir aussi, mon frère et ma sœur. Et cela nous montre qu'effectivement, que nous avons entre nos mains un trésor inestimable, en fait. Qu'on ne peut pas mesurer, qu'on ne peut pas comparer. Surtout quand on s'assied de la bonne manière et qu'on apprécie effectivement les choses avec un regard effectivement de la bonne manière. Juste pour que vous puissiez comprendre effectivement, parce que si, juste un petit exemple comme ça qui doit seulement vous devoir comprendre. C'est comme ce qui se passe en fait, ce qui s'est passé dans les temps effectivement au niveau de l'Afrique. Les gens allaient sur la rivière effectivement, ils se lavaient. Et puis qu'est-ce qu'ils regardaient effectivement dans l'eau? Il y avait effectivement des petites pierres comme ça qui l'eau la ruisselait, mais ces pierres étaient étincelantes, effectivement. Il y en avait de gros, de moyens, effectivement. Il le voyait comme tout au pied. Il a ramassé, peut-être, bon, il pouvait peut-être le mettre à la maison, jouer avec, effectivement. Et des autres, effectivement, qui allaient dans d'autres endroits, qui, effectivement, voyaient des eaux qui coulaient, qui passaient dans un pays, puis quand ils passaient, puis ils voyaient des choses qui brillaient comme ça, effectivement, différents endroits. Donc, ils en prenaient comme ça, maintenant. Mais il a fallu qu'il y ait quand même quelqu'un qui passe. Et qui, passant chez eux à la maison pour pouvoir les voir, effectivement, il dit, tiens, il pose la question, mais, et ça c'est quoi? Oh, ce sont des pierres qu'on a trouvées là-bas, comme elles étaient tellement brillantes, etc. On les a ramassées beaucoup, on les a mis ici. Il dit, qu'est-ce que vous en faites? Il dit, oh, ce sont des pierres, hein. Monsieur qui était là, il savait que c'était du diamant. Donc ces hommes-là avaient entre leurs mains, ils vivaient dans des cases. C'est-à-dire qu'effectivement, vous connaissez les cases, non? On fait des mottes de terre. Avec des petits bois comme ça, on met de l'argile dedans, et puis voilà, avec, tu vois, les petits trucs comme ça, et puis avec le feu, pierre, et puis des bûches là, effectivement, et ça chauffait, casserole problématique, parce qu'il n'y avait pas de l'argent pour acheter des casseroles. Mais là, sur le coin là, où il y avait les calebasses en terre cuite, il y avait un grand paquet comme ça. Tous ces pierres qui étaient là, effectivement. Donc, avec ces pierres-là, il faut même acheter une partie de la Belgique, entre parenthèses, vous comprenez? Ah oui. Mais il est regardé, il me dit, mais c'est quoi? Il dit, oh, ce sont des pierres parce que c'est un peu joli, on les a mis là-dedans. Mais ils étaient en train de souffrir pour avoir du pain. Il dit, mais vous avez dit, on n'a pas l'argent, on sait pouvoir vendre la peau de vache, la peau de chèvre, pour avoir un petit. Mais monsieur, regardez là. Il dit, mais ce qu'ils ont là, s'ils savaient, mais ils n'ont même pas vendu la peau de vache. Ils ont entre leurs mains une grande richesse, mais ils ne savent pas. Mais c'est comme toi. Là, ce sont des choses, vous savez, c'est rien comparé à ceci, en fait. C'est-à-dire que c'est, les autres peuvent le tenir, ils n'en comprennent pas la valeur. Mais toi, quand tu tiens ceci, on voit même avec beaucoup de respect quand tu la tiens parce que tu en connais la valeur. C'est vrai, la Bible n'est pas un livre qu'on peut prendre et jeter comme ça. Journal, oui. Un agenda, oui. Téléphone, oui. Non, autre chose, oui. Mais c'est sinon. Parce que vous connaissez donc la valeur de ça. Et ça, c'est une grâce que le Seigneur, lui, nous a accordée. À pouvoir apprécier, effectivement, ce que c'est comme les psaumes que nous avons lus, effectivement. Quand vous entendez, quelqu'un peut les lire comme ça, effectivement, puis un chantonnet, effectivement, des bons psaumes. Mais quand vous entendez, quand vous lisez, qu'est-ce que vous remarquez? Vous vous sentez concerné. Que les choses qui sont dites, effectivement, elles sont importantes pour vous et moi. Donc nous réalisons qu'effectivement, que le Seigneur, quand tu as dit ceci, je me retrouve aussi là-dedans. Amen. Je réalise effectivement que l'espérance que j'ai, voilà que tu me donnes l'espérance ici, dans la suite de la verset, effectivement. Donc chacun de nous doit arriver à pouvoir apprécier, effectivement, la valeur de ce que Dieu nous a donné, effectivement. Oui, parce que si nous n'arrivons pas à apprécier la valeur, eh bien, évidemment, ce que nous avons ne pourra jamais nous donner, effectivement, ce que nous pourrons désirer pouvoir avoir. Ils ont des diamants là. Ces diamants ne produisent absolument rien pour eux parce qu'ils n'en connaissent pas la valeur. Et pourtant, ils ont besoin de l'argent. Or, ils ont à côté d'eux
la chose qui leur apportera beaucoup plus d'argent, mais ils ne peuvent pas se rendre compte que cette chose-là a de la valeur. C'est ça, en fait, le problème que nous avons. C'est ça le problème, effectivement. C'est pour ça que vous entendez souvent, on ne fait que vous rappeler, ne faites jamais les choses de Dieu avec habitude. Parce que l'habitude vous fait perdre, effectivement, la valeur de choses, l'importance de choses. Or, quelque chose que dont vous connaissez la valeur, vous êtes tellement prêt à pouvoir faire un sacrifice pour pouvoir l'avoir. Est-ce que vous comprenez? Parce qu'à ce moment-là, on dit, mais il faut que je puisse... Pourquoi, effectivement, vous cherchez du travail? Parce que, mais le travail, il faut... Sans travail, je ne peux pas arriver à pouvoir payer mon loyer parce que je dois avoir un salaire. Donc, vous battez, effectivement, vous faites des sacrifices. Il faut aller étudier le matin, le soir, ceci et cela, et pour avoir quoi? Un contrat de travail. Quand vous l'avez aussi, le matin, vous ne voulez pas manquer. Parce que si tu manques le matin au travail, ben, les salaires diminuent. Donc, il y a des sacrifices parce que la chose a une grande valeur pour vous. Vous en savez, effectivement. Mais quelqu'un qui est engagé, qui, bon, le patron dit, bon, voilà, le travail commence à 8h30, lui, il arrive à midi. Est-ce que vous comprenez? On va dire, mais monsieur, vous êtes normal? Il dit, non, ben, vous savez, je me sentais fatigué. Bon, je dis, bon, je vais quand même aller à n'importe quel moment, je vais quand même travailler. Il dit, à n'importe quel moment, vous allez travailler ici? Non, vous êtes licencié. Parce que tu sais, toi, effectivement, que pour que je puisse avoir mon salaire, je dois me lever. Même si tu étais fatigué hier, tu te lèves le matin à 5h, le réveil sonne, paf, tu coupes le sommeil, même s'il est là, mais tu te sacrifies. Parce que je dois avoir cet argent, effectivement, pour payer mes factures. C'est la raison pour laquelle vous travaillez tous. Sinon, c'est endormi. Le réveil sonne, ah non, moi je suis fatigué, je n'ai pas besoin. Non! Tu t'élèves très tôt matin, tu fais un sacrifice parce que ce que tu fais, tu sais qu'il y a une récompense, il y a une valeur. Donc ça a de la valeur à tes yeux. C'est aussi la même chose. Avec les choses que vous avez, effectivement, mon frère et ma soeur, ça semble tellement si facile. Mais on vient d'entendre aujourd'hui que le frère, effectivement, aussi un jour il s'est tenu à parler de Dieu. C'est ça que nous devons comprendre. Oh, c'était aussi peut-être comme un peu du bon. Il parle, je donne un exemple, parle un peu de Dieu comme ça. Il dit, bon, on parle effectivement de Dieu. Est-ce qu'un jour, peut-être que je ne dirai pas, je me répète, mais en fait, il ne se rendait pas compte, effectivement, comme vous et moi, qu'un jour, ce jour-là viendra. Où les yeux de tout être humain, chacun de nous, va se fermer. Ce qui veut dire que quand on peut penser à cela, qu'un jour, on va partir de ce monde ici, on doit bien se poser la question pour savoir si je pars et que je ferme mes yeux, comment ça va se passer? Où est-ce que je vais absolument aller? Parce que nous sommes assis ici, effectivement, parce que pour que nous entendions quoi? La parole de Dieu. La parole de Dieu, effectivement, elle est censée pouvoir nous montrer et nous rassurer pour notre côté, effectivement, le jour où nous pourrons. Est-ce que vous comprenez? Mais si cela est tellement si important pour vous de l'autre côté, après cette vie sur cette terre, effectivement, alors vous deviez être des gens beaucoup plus sérieux pour ça. Parce que cela peut vous arriver à n'importe... Vous savez comment on m'a raconté pour le frère? Il était chez lui à la maison. Je crois qu'il faisait... On m'a dit qu'il faisait des travaux. Il rangeait les choses, effectivement. C'était un moment. On l'a trouvé assis dans les cages d'escalier. Comme ça, c'était son fils, son beau-fils, et puis il bouge le frère, le frère ne bouge plus. Il est dans la marche d'escalier assis comme ça. Pensez-vous qu'il savait qu'il allait partir? Non. Donc, c'est vrai. Nous pouvons avoir beaucoup de choses, effectivement, qui sont tellement si importantes, ma soeur. C'est important pour vous d'être vu, d'être considéré, d'être... Mais toutes ces choses-là, un jour, vous allez partir. Déjà, sur la terre, il ne vous construit pas un bonheur. Qu'est-ce que l'argent vous donne comme bonheur sur la terre? Ce sont des choses pour lesquelles vous et moi, nous nous battons. Et ceci et cela. Même les vêtements, tu peux même t'habiller avec de l'or sur ton corps. Est-ce que ton corps te dira merci madame, merci monsieur, parce que tu m'as habillé de l'or et des vêtements qui sont si chers et tissés? Non, pas du tout. Mais là, quand même, qu'on peut voir, et je bénis Dieu, parce que quand il a eu cet homme qu'on appelle le sage, effectivement, et Salomon, effectivement, et qui a écrit, effectivement, ce qu'il a écrit, effectivement, il dit, mais vanité de vanité, tout! Alors il dit, mais tout est vanité! Mais nous ne prêtons
faisons pas attention à ces choses, effectivement. Frères et sœurs, réfléchissez un peu. Depuis que vous êtes terminé sur vos études, effectivement, et vous avez commencé à travailler, jusqu'à aujourd'hui, vous travaillez. Et quel plaisir vous avez dans ce travail. C'est une corvée. C'est une corvée. Je te lève le matin, là, je cours vite, sommeil, là, douche vite, vite, effectivement, train, elle était train, et puis bus, et puis tram, et puis au travail, et puis comme patron, et toute la journée, tu es sous pression, tu te réveilles encore, tram et métro. Réfléchissons, frères et sœurs, quel bonheur on trouve dans cela. Le seul bonheur que nous avons, c'est quand nous sommes ici. Alléluia! Il n'y a pas de patron. Nous nous sentons bien. Dans la liberté, effectivement, nous préparons nos cœurs et nos âmes pour que le maître vienne. Et ici, il n'y a pas d'obligation. Non. C'est nous-mêmes qui nous sentons concernés. Il est tellement si bon que quand tu nous parles, nous disons, oh Seigneur, parle encore, dis-nous encore. Parce qu'avec toi, nous nous sentons bien. Dehors, les hommes toujours rêvent. On sort là, mais ici, on est tellement bien. Tu nous prends dans les bras. Oh, tu nous transportes avec toi. Nous sommes heureux et nous désirons être avec toi tous les jours. C'est ça, frères et sœurs, pour l'amour de Dieu. Ouvrez vos yeux, regardez bien. Regardez bien. Nous nous tuons pour rien, nous nous battons pour rien. Et tu travailles maintenant aujourd'hui, effectivement, tu as ton salaire, effectivement, tu sais, avec des augmentations aujourd'hui, effectivement, demain tu vois les loyers qui montent, demain tu vois les carburants qui montent, donc tu n'as même plus rien dans la poche, mais tu dois courir tout le temps, effectivement. Les riches deviennent riches, effectivement, les pauvres toujours les pauvres. Et quand tu deviens un peu, un tout petit peu, tu fais des économies comme ça, tu mets pour que, au moins, on commence à lorgner sur ton compte. Tu as même peur d'avoir même 1000 euros sur ton compte. Pourquoi? Parce qu'ils vont commencer. D'où vient? Finalement, qu'est-ce qu'on va faire? Vous comprenez? Nous sommes dans un monde où les choses... C'est vrai, frère et sœur. Esclavage, on ne peut rien faire, effectivement. Et quel bien, quel bonheur nous tirons dans cela. C'est cela. Mais regardez bien pour tout ça. Combien d'heures nous consacrons. Et puis nous-mêmes, quand on peut réfléchir un peu, tu peux, mon frère, ça, combien d'heures nous consacrons nous-mêmes pour nos vêtements, pour ceci, pour ceci, pour sortir, vous comprenez? Oui, vous connaissez cela. Nous consacrons quand même plus de temps pour nous. Imaginez, frère et sœur, si nous prenons, par exemple, je donne un exemple, bon, une heure ou deux heures, sinon, que Dieu soit béni parce que nos frères et sœurs, Dieu nous a accordé la grâce. Vous pouvez rester même 18 heures, il n'y a pas de problème. Mais vous comprenez, ceux qui nous suivent. Regardez très bien. Parce qu'il y en a de ceux qui viennent, oh, ça a duré longtemps chez vous, dans votre réunion. Ok, pas de problème. Bon, maintenant, on te ramène chez toi à la maison. Tu descends les escaliers, oh, je te donne à la maison, tu rentres dans ta cuisine, tu fais des omelettes. Et papa, les omelettes, tu fais si c'est les je ne sais pas moi, comment on appelle, la viande. Oh, mes enfants, aujourd'hui, tu peux me préparer pendant 6 heures. Un peu de cuisson là. On va manger, mes enfants, on va manger. Donc, tu sors pendant 6 heures, mais pour quelque chose qui a une importance pour ton âme. Est-ce que vous voyez, mon frère et ma soeur? L'homme utilise le temps pour lui, mais ça ne le sert à rien. Mais c'est vrai, réfléchissez bien. Oui, tout, on s'occupe tout le temps du monde. Non, il y a une chose que racheter le temps. C'est-à-dire que je dois travailler en fonction de pouvoir gagner du temps préparé pour mon autre côté. Parce que ici, je travaille. C'est vrai, depuis que je suis né. Ça vous semble bizarre, mais depuis que nous sommes nés, frères, même jusqu'aujourd'hui, on a eu à étudier, on a fait ses maisons, on travaille, on a bâti des maisons, on est toujours en train de travailler pour aussi. Et ça nous rapporte quoi? C'est ça. Est-ce que vous comprenez? Je n'ai pas dit que soyez des chômeurs. Hein? Non, je veux simplement que vous compreniez, quand on parle de la valeur de choses, savoir apprécier les choses qui sont vraiment appréciables et qui ont de la valeur effectivement pour vous. C'est là le privilège que Dieu nous a accordé pour que nous ne marchions pas comme des gens qui sont dans ce monde. Effectivement, nous sommes ici, gloire à Dieu, nous aimons Dieu. Mais en fait, on n'a pas une conception juste de choses. C'est vrai que nous sommes heureux parce que quand nous prions Dieu, le Seigneur entend les prières, il descend même, il nous montre effectivement ce qui est dans la vie de telle personne, effectivement, puis la personne est guérie. Oui, parce que j'ai eu les nouvelles, vous connaissez, m'envoyer un courrier. Et nous prions cela, nous sommes heureux, mais le problème, c'est que
Est-ce que nous arrivons à pouvoir apprécier effectivement ce que le Seigneur, lui, il est et ce qu'il est en train de faire pour toi en tant qu'individu? Qu'est-ce que Dieu est en train de faire pour moi? Un jour, tu t'assieds, effectivement, ça, tu commences à pouvoir même regarder. Il y a un cantique qui dit, compte les bienfaits de l'Éternel. Compte les bienfaits de l'Éternel. Compare maintenant avec ce que toi, tu fais dans ta propre vie. Vous comprenez? Ce que vous faites pour vous-même. Mais regardez même le bienfait que Dieu te fait. D'abord, le matin. Le matin, tu te lèves parce que tu, comme tu dis, bon, non, je vais aller travailler, comme tu dis, mais je vais aller travailler, je n'ai pas le temps d'aller à l'église, effectivement. Mais en fait, celui qui te donne le souffle de vie, la bonne santé, pour que tu marches, tu puisses au moins marcher, courir pour prendre un train ou un tram, parce qu'il y en a de ceux-là qui ne peuvent même plus, même prendre un tram. Mais toi, tu te lèves le matin, et puis tu commences à courir pour prendre les trams et s'asseoir dedans dans les trams et commencer à pouvoir maintenant penser, à réfléchir. Parce qu'il faut dire que Dieu a fait quelque chose pour toi. Amen. Ce souffle de vie-là, déjà que tu as. Savoir d'abord que même dans une journée, quand tu vas aussi là-bas, tu vois, si tu as l'état de pouvoir trouver de l'eau pour boire, mais il y a des endroits où il y a la sécheresse. Nos frères, sœurs, nous devons apprécier Dieu dans le moindre détail. Mais surtout, en plus, nous. Nous qui avons appris et connu effectivement la bonté et la grâce de Dieu. Frères et sœurs, nous serons sévèrement jugés pour n'avoir pas apprécié le Seigneur à sa juste valeur. Celui qui est dans la rue, il est ignorant, c'est différent. Mais toi et moi, c'est pas qu'on est obligé, non. Mais rien que de voir qu'effectivement que tu t'élèves le matin, tu sais toi, que je n'ai pas de ticket de transport pour aller prendre les trams. J'arrive là-bas, je trouve quelqu'un qui me dit, « Bon, madame, j'ai senti dans mon cœur de pouvoir te donner quelque chose. » Tu sais que ton Dieu a toi pris soin. Et ça, tu sais que ce n'est pas la première fois. Même quand tu te réveilles le matin et dis, « Mais je n'ai pas l'argent. » Tu vas te rappeler, « Mais un jour, j'étais dans une circonstance telle que je me suis retrouvé quelqu'un, j'avais besoin de quelqu'un. Dieu a touché le cœur de quelqu'un pour moi et la personne a fait. » Donc, c'est Dieu a fait tellement si grand. Ça donne encore la foi que quand tu n'as pas de pouvoir de savoir que le Seigneur va pouvoir. Parce que Dieu a fait cela pour toi. Et non seulement pour cela aussi, que ce soit pour le vêtement, pour la nourriture, Dieu a toujours pourvu. Donc le Seigneur t'a toujours montré que vraiment qu'il est un Dieu qui pourvoit pour tous tes besoins à toi. Ça veut dire que toi maintenant, quand tu vas même au travail, où tu veux effectivement, tu dois pouvoir faire effectivement, la valeur que tu donneras à quelque chose que tu as par rapport à ce que Dieu est pour toi, elle doit être différente. C'est pour ça, écoutez, c'est pour ça, frères et sœurs, c'est anormal de voir un frère ou une sœur qui danse, qui chante effectivement, qu'il perd son emploi, il devient concombre. C'est pas possible. Non, sœur, non, frère, tu as du travail, tu loues Dieu, tu n'as pas de travail, le même zèle de louer Dieu. Bien sûr, là, on a compris que tu as compris. Oui, parce que c'est pas normal, frères et sœurs. Que tu aies un travail, c'est vrai, on te voit heureux, effectivement, tu changes de voiture, maintenant tu n'as plus le travail, effectivement, la voiture tombe en panne, on ne te voit plus à l'assemblée. Ça, c'est pas normal. Oh frère, j'ai pas eu moyen de transport. Ça, c'est pas vrai. Parce que les trams existent, les trains existent, les vélos existent, les pieds aussi existent. Ah oui, mais vous riez, frères et sœurs, j'ai vu des gens qui ont fait les pieds des kilomètres, vous venez écouter la parole de Dieu, oui. Ah oui, il s'élève à 4h du matin. Oh non, frère, vous, que Dieu ait pitié de nous. À 4h du matin, il marche là, effectivement, jusqu'à venir à l'endroit pour dormir. Et puis quand c'est terminé, il retourne. J'ai vu des hommes avec leurs femmes, effectivement, sur un vélo avec un sac de semoule derrière. J'ai vu ça. Ils sont venus de Mozambique, effectivement. La femme derrière, le monsieur sur le vélo pédalé. On rentre où? Après la réunion, on rentre au Mozambique. Je sais pas, toi, tu ne peux pas le faire. Vélo, monsieur. Parce qu'on apprécie la valeur de la chose, effectivement. Parce qu'on se rend compte que ça, c'est vrai que si Dieu ne fait pas ça pour moi, effectivement, alors les choses seront tout à fait différentes. Nous devons, mon frère et ma soeur, c'est là qui démontre, effectivement, ce que toi tu es et ce que le Seigneur, notre Dieu de la Bible, représente pour toi dans ta propre vie. C'est là que vous pouvez réaliser et comprendre, effectivement, que nous l'entendons. Mais cet effet-là doit se faire dans chacun de nous. Parce que si cela n'est pas fait, ça, il y a toujours un souci, mon frère. Parce qu'il y a un problème. Nous allons y arriver peut-être si le Seigneur le permet.
Parce que d'abord, il faut que tu sois rassuré. Pas parce que tu viens à l'église, je vais, quand je fermerai les yeux, je verrai le Seigneur. Non, il doit y avoir quelque chose qui doit s'être passé avec toi pour que tu... Je pense, c'est Rebecca qui m'a posé cette question et en m'envoyant son message, effectivement. Elle dit, mais voilà, je voulais savoir parce qu'on a entendu effectivement que le peuple d'Israël, ils étaient le peuple de Dieu. La possédée d'Abraham, effectivement. Mais c'est la vérité. Vous me suivez? Il dit, mais voilà, mais je ne comprends pas comment ils sont sortis de l'Égypte, effectivement. Ils sont les peuples de Dieu. La posée d'Abraham, effectivement. Et puis on entend plus tard, plus loin, qu'effectivement, qu'ils sont tous morts dans le désert et privés de la face de Dieu. Ils ne sont pas entrés dans la présence du Seigneur. C'est la vérité, non? Il dit, mais comment cela se fait-il? C'était quand même la postérité d'Abraham, les enfants d'Abraham. Et puis le peuple de Dieu, comment ça se fait qu'ils ne sont pas rentrés? Sauf que c'était Jésus qui est la nouvelle génération. Vous connaissez cela, non? Vous connaissez? Vous vous souvenez? Et vous devez le savoir, vous l'entendez tout le temps. Oui, et comment ça se fait? C'est pour ça que ce n'est pas l'effet simplement de pouvoir venir s'asseoir. Et de chanter, non mon frère, ça doit être plus que cela. Parce qu'il est question de salut de ton âme. Et pour cette âme-là, nous l'avons entendu la fois passée, un prix a été payé. Ah oui, ce n'était pas gratuit. Le prix a été payé. Mais si un prix a été payé, ce qui veut dire que c'était la chose qu'on exigeait. Si on l'exigeait, ce qui veut dire que sans cette exigence, sans ce prix-là, ce dont toi tu dois bénéficier comme salut, tu ne pourras même pas l'avoir. Donc il a fallu que les prix soient payés. Mais maintenant, toi, tu dois réaliser la valeur de ces saluts et comment tu dois recevoir ces saluts pour être sûr. Parce que, frères et sœurs, c'est pas... Alors, quand nous voyons tout ce monde qui est à l'extérieur, parce que nous pouvons avoir le temps dans la Bible pour voir effectivement comment je ne sais pas faire tout ce que c'est des chrétiens, vous connaissez cela, tous ceux qui sont à l'extérieur, frères, le Seigneur, pas moi, le Seigneur Jésus-Christ lui-même a dit, tous ceux qui me disent, c'est dans la Bible, hein, Matthieu 7, tous ceux qui disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume. Bien sûr. C'est pas moi qui dis. Nous pouvons les lire peut-être pour ceux qui nous écoutent. Hein. Matthieu au chapitre 7. Je pense que c'est cela, oui. Matthieu chapitre 7, je pense. Et voilà. Voilà, c'est ça, c'est cela. Matthieu chapitre 7. Et voilà, c'est ça. Voilà, verset 21. Vous y êtes? Matthieu 7, 21, il nous dit, ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, vous entendez cela? N'entreront pas tous dans le royaume des cieux. Et vous entendez cela? Tous ceux qui me disent Seigneur, 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 Seigneur. C'est pour ça qu'il faut absolument être certain. L'assurance, effectivement, au plus profond de votre cœur, du salut que vous avez reçu. Et pour ça, je dis, vous ne devez pas être là pour perdre votre temps. Je dis, moi, je prie pour vous, je dis, Seigneur, mon frère, si c'est un endroit, comme si tu dis, mais tu ne te sens pas que tu te sens qu'il y a un endroit. Non, il n'y a pas de problème. Le désir profond, c'est ton salut à toi. Ton âme, être certain qu'effectivement, que non, je suis sauvé, ce que je reçois, c'est la chose qui amène mon âme dans la présence du Seigneur. Parce que, je veux que vous compreniez, le jour où vous allez traverser de l'autre côté, le prédicateur ne sera pas là. Vous serez vous seul. C'est pour ça que vous devez être sûr et certain de l'emplacement, de l'endroit que Dieu vous a lui-même placé. Alors à ce moment-là, vous pouvez apprécier effectivement ce que Dieu fait pour vous. Et c'est absolument nécessaire pour être sûr, parce que le salut, Dieu notre Seigneur, il nous l'a prouvé dans la scène qu'il a acquis pour toi. Et pour moi, il a payé le prix. Mais maintenant, il faut le recevoir. Il faut le recevoir, ce salut-là. Et oui. Et c'est pour ça que quand nous lisons dans les Saintes Écritures, nous comprenons, parfois nous lisons, mais Seigneur, tu es vraiment tout à fait particulier. Oui, parce que qui, sous cette terre, peut douter qu'Israël est le peuple de Dieu? On ne peut pas douter. Mais, n'est-ce pas vrai? Mais maintenant, la question est celle-ci.
en rapport avec le salut, qu'est-ce qui s'est passé pour Israël? Pourtant, ils connaissaient bien la loi, ils connaissaient bien les Écritures. Ils louaient, ils chantaient Dieu. Parce que la question était, ce n'était pas simplement pour pouvoir chanter. Il y avait un but pour lequel Dieu les avait choisis comme peuple. C'était pour le salut quand même, frère. Vous comprenez, non? Vous me suivez, non? Donc il y avait une chose principale et fondamentale pour laquelle Dieu les avait donc choisis. Puis il avait dit à Abraham, soit je sois votre Dieu, soit ton Dieu, et Dieu t'a possédé après toi, effectivement. Donc, Dieu n'avait jamais manqué à cela. Ils ont prié, ils ont chanté, ils ont glorifié Dieu, ils ont fait tout ce qu'il fallait faire, mon frère. Ah. Et maintenant, il y avait une chose qui était donc principale, pour que vous puissiez comprendre. Vous dites, mes frères, oh frère, mais bien sûr que oui. La chose était principale, en fait. Cette chose-là, c'est cela le but pour lequel Dieu voulait atteindre avec ce peuple. Vous vous souvenez que nous regardons la Sainte Écriture, on dit, mais lorsqu'ils mouraient tous, même Samuel, vous savez où il était? C'était dans le séjour. Où c'est? Dans où c'est? Vous comprenez ce que c'est, séjour de mort, ma soeur? C'est l'endroit qui est en dessous. Est-ce que vous savez cela? Donc, tous ceux-là qui mouraient, sœurs, c'est important, tous ceux-là qui mouraient, qui n'allaient pas au ciel. Non, messieurs. Là, en dessous, là, personne ne veut monter dans la présence de Dieu. Non, non, pas du tout. Ah oui. Mais ceux-là qui étaient dans l'ancienne alliance, vous savez, comme la Bible, effectivement, dit, ils avaient la foi en celui qui devait venir. Donc, ils sont morts dans la foi. Est-ce que vous me suivez? Amen. Ah ben, ils ne pouvaient pas être perdus parce qu'ils sont morts avec la foi. Que Dieu allait accomplir la promesse. Vous voulez la preuve? Vous voulez la preuve quand même? Oui, c'est normal. Eh bien, vous vous souvenez de Job? Amen. Vous vous souvenez de Job? Amen. Dans l'Ancien Testament, un Job qui se met debout, qui dit, même si mes yeux, si mon corps était décomposé, et puis, d'abord, avant cela, il dit, mais que mes paroles soient écrites avec un burin, gravées donc dans le roc, pour dire que ici, ça doit être un témoignage aussi fort. Il dit, même si mon corps était complètement décomposé, il dit une chose, je sais une chose, que mon rédempteur, mon frère, est vivant, et qu'il s'élèvera. Et puis, mes yeux à moi, et nous, ceux d'autres, le verront, un homme. Est-ce que vous comprenez cela? Oui. Job est mort, n'est-ce pas? Avec la foi qui viendrait. Le Rédempteur viendrait. Et son Rédempteur est venu. Il est descendu. Quand il est monté, les sépulcres se sont ouverts. Job est sorti. Vous pensez la comédie, mon frère? Non, c'est toi qui joues. Mais c'est la vérité, 100%. Les hommes ont compris cela. Avant le temps, il viendra. Peu importe, même si vous pouvez douter, mais moi, je sais une chose. Qu'il viendra, et il viendra certainement. Et il s'élèvera. Et moi, Job, je m'élèverai aussi. Ça, c'est la foi d'un homme qui croit en son Dieu. Bien sûr que oui. Mais aujourd'hui, toi, à quel stade tu es? Tu tiens la Bible en main, tu ne sais même pas ce que tu tiens en main. Ces hommes-là pouvaient donner leur vie simplement parce que une parole de Dieu a été prononcée par eux. Ils croient à cela. Oui, monsieur. Mais toi et moi, le Seigneur nous a donné la preuve. Donc, le Rédempteur de Job, il est vraiment, il est né. Job ne l'a même pas vu, effectivement. Il était là, dans les sépulcres. Job était mort depuis des centaines d'années. Son Rédempteur est venu, frère. Et tout le monde a pu le voir. Naquit comme les saintes qui tout l'avaient annoncé. Et toi et moi, nous en avons la preuve. C'est ça le grand problème, mon frère. Et c'est ce que le Seigneur nous dit aussi plus loin. Il dit, je hais vos fêtes, je hais vos ceci, vos cela, effectivement. Parce que quand ce peuple s'approche de moi, c'est le mot de ses lèvres. Mais son cœur est éloigné de moi. Pourquoi vous entendez toujours votre attention, s'il vous plaît? Parce que je vois les uns qui sont assis en train de bailler, de faire. Je vous dis, quand vous êtes fatigué, sortez, prenez de l'air dehors et revenez ici. Parce que ça ne sert à rien d'être là en train de pouvoir somnoler et dormir. Ça ne sert à rien. C'est pour votre bien. C'est important pour vous. Parce que, frères et sœurs, le jour où vous serez dans le cercueil, vous partirez, vous dites, oh, je vais aller voir le Seigneur. Vous voyez que vous partez, effectivement, c'est une autre direction que vous prenez.
Pourquoi? Parce que vous n'avez jamais prêté attention. Vous ne pouvez pas aller voir Dieu comme ça et dire, bon, parce que non, il y a bien une condition qu'on doit arriver à remplir. Je vais vous montrer encore dans les Saintes Écritures, Matthieu chapitre 25. Les vierges, vous connaissez, je vais citer cela, les vierges sages et les vierges folles, toutes étaient des vierges. Des vierges, vous connaissez, non? Eh bien, toutes avaient les lampes. Qu'est-ce qu'il disait? Avec ça, nous allons à la rencontre de l'époux. Mais la sélection se fait tout au long du chemin. Tout au long de la marche, effectivement. La sélection se fait. Comme la question, ma grande Rebecca qui m'a posé cette question, effectivement. Eh bien, quand ils sont tous sortis, ils étaient sortis du Saint-Temps, le peuple de Dieu. Pour aller où, effectivement? La terre promise, n'est-ce pas? Dans un pays où coule le lait et le miel. Alors la question est celle-ci. Ils sont tous y entrés? Mais qu'est-ce qui s'est passé? Et pourtant, vous connaissez bien qu'ils ont entendu la parole de Dieu, ils ont bu à ces rochers, tout ça, vous le connaissez. Ils ont vraiment, Dieu n'a pas manqué de faire des miracles pour leur montrer qu'il était Dieu. Mais pourquoi ne sont-ils pas entrés? Ce n'est pas Dieu qui les a empêchés. Non, eux-mêmes. Nous ne sommes pas capables. Et pourtant, Dieu vous a prouvé depuis les débuts que vous étiez capables. Vous ne regardez pas très bien. Mais c'est vrai. Qu'est-ce qu'il dit? Mais regardez très bien. Devant la mer rouge, il les a prouvés. Que la capacité, vous l'avez de traverser la mer. Comment allons-nous faire? Il dit, mais vous êtes capable. Pourquoi? Parce que le Dieu capable est avec vous. Après avoir marché avec toi tout au long, effectivement, comme ça, et puis arriver seulement devant des hommes comme les fils d'Anak, des êtres, il a déjà détruit beaucoup de rois là-bas. Oh, le roi des Amoréens, vous connaissez cela, non? Vous avez oublié tout ça, l'amnésie spirituelle, vous avez oublié tout ça. C'est ça le problème entre le véritable croyant et le soi-disant croyant. Le soi-disant, il ne va jamais très loin. Il croit un peu parce qu'il voit le miracle, effectivement, là, à ce moment-là. Et après, effectivement, il retrousse ses brouches. C'est ça ton problème. Tu aimes trop le monde. Tu aimes trop qu'on te voit. Quand on dit, frère, soyons comme la parole de Dieu dit, effectivement, sœur, bien comme la parole de Dieu dit, oh, ici, vous savez, quand vous sentez pantalon, quand vous sentez maquillage, quand vous sentez ceci, mais c'est pas normal. Ici, vous venez, vous lavez les visages, mais là-bas, dehors, les photos, pirapium, pirapium, pirapium. Comment voulez-vous nous montrer que vous avez la foi en Dieu? Non! Un homme, une femme qui croit en Dieu, elle est rigoureuse. Amen. Elle sait ce qu'elle désire, frère. Si vous voulez vous prostituer, allez dehors. Mais frère, on ne peut pas avoir un pied ici, un pied là. Il y a une décision. Nous avons toujours entendu ici que Dieu ne nous oblige jamais. Jamais. Il est toujours doux. Mais il t'est dit pour que tu vois la différence. Tout ce que tu fais, c'est une vanité. Tu peux le faire, mon frère et ma soeur, là-bas où tu le fais. Mais ça te rapporte quoi? C'est comme quand vous aimez bien, vous allez voir, oh, on va voir là-bas, quand on va dans ce milieu-là, qu'on ne voit pas comme des mémères ou ceci, cela. Alors on doit faire. Eh bien, pourquoi? Pour que les gens-là vous apprécient en faute. Ouh, ils sont à la mode. Ils vous mettent les. Comment vous appelez ça? Des robes qu'on appelle si c'est des. Bon, de couturier, vous ne connaissez, non? Bon, ah oui, parce que c'est ce qui se passe avec vous. Qu'est-ce qui passe avec? Parce qu'on ne peut pas aller dans le milieu là, pendant on porte une robe, par exemple, qui n'a pas de nom. Il n'y a pas de. Mon grand, je commence à s'ouvrir ici. Il fait trop chaud. C'est ça que ça chauffe. On porte une robe qui n'a. Ne m'en voulez pas. Hein? On porte une robe qui n'a pas de marque quelque part. Parce qu'il faut que, quand tu arrives, même si tu dis que tu es chrétienne, on voit quand même marque ici. Vous portez le nom de quelqu'un qui est mort, je ne sais pas comment il s'appelle. Est-ce que. Oui, oui. Alors, c'est comme ça que je vois dans tous les scénarios, pour qu'on voit que tu es le grand, hein, le nom de celui qu'on met si en grand comme ça. Là où tu vois là, même avec un chapeau avec les noms. Mais quand tu viens à l'église, non. Mais dans ces milieux de. Pardonnez ma expression, mais tu es là pour montrer, en fait, qu'on voit. Et puis après, ces gens-là vont te donner quoi? Parce qu'ils vont dire, ah, il s'est habillé comme les morts, comme s'appelle, celui qui est mort, là, qui a lancé la couture. Bon, je ne vais pas citer le nom. Enfin, il a lancé la couture. Mais c'est comme ça que vous êtes nous. Et puis, tu sors là pour aller acheter un grand sac là, où on a mis les noms ou les initiales de ces messieurs-là. Il est déjà décédé. Il est mort depuis longtemps. Tu te bats pour donner ton argent à quelqu'un. Et puis, bon, c'est à sa famille, bien évidemment. Mais c'est pour dire simplement, mes frères, réfléchissons un tout petit peu. Je n'ai pas besoin d'aller dépenser 1 500 000 pour acheter un sac. Et puis vous le savez, vous savez, non? Tu achètes ça aujourd'hui, une semaine après, ça vous débrouille. J'aime plus ce sac-là. Hey, il te faut quoi encore? Il me faut un autre. Bon, on achète un autre et puis, 2-3 semaines, et non, il me faut un autre.
Vous en voulez combien? Même vos chaussures. Regardez vos garde-robes. Rare! Je n'ai pas dit qu'ils n'achetaient pas. Je dis bon. Parce qu'il y en a de ceux qui avaient un combat. Comment on dit, non, non. Et il fallait qu'ils me posent la question. Mais, oui, ma femme, toujours. Je dis oui, les dames et nous, c'est différent. C'est différent. Moi, je peux rester avec une paire de chaussures. Je vais mettre une femme quand même. Tu comprends que quand elle met sa jupe, elle doit avoir une chaussure qui ne donne quand même pas. Il ne va quand même pas mettre les bottes avec mon bout d'hiver avec la même jupe. Vous comprenez? Non. Il doit aussi avoir des petites chaussures qui sont bien, qui vont. Je comprends ça, on ne peut pas les en vouloir. Est-ce que vous comprenez? Oui, c'est non. Oui, oui. Vous êtes comme ça. Regardez les garde-robes des hommes et des femmes. C'est différent. La soeur, il a acheté une petite blouse, il s'est dit, ah, j'ai trouvé encore une autre. Celle-là, j'ai trouvé encore, vous avez trouvé les mêmes styles de blouse, vêtements comme ça, mais ah, je n'ai rien apporté. Il me dit, mais ça, je ne vois rien pour dire, mais tout ça, tout ça. C'est comme ça que vous êtes effectivement, tout ça. Est-ce que vous comprenez? Donc, c'est pour simplement comprendre, pour que nous comprenions que parfois, nous faisons les choses pour que les gens du monde nous voient et nous apprécient. Alors, qu'est-ce que nous allons recevoir de ces gens du monde? Vous cherchez à ce qu'un païen puisse arriver à pouvoir apprécier un fils de Dieu, une fille de Dieu, et dire, ah, selon son goût à lui. Et toi, tu viens à l'église, lui, il est dans le monde, toi, tu veux qu'il puisse dire, ah, quand j'ai vu, il avait la veste, il fallait voir, effectivement. Donc, ce monde-là, il t'apprécie effectivement parce que tu es habillé comme ça pour que lui t'apprécie. Et toi, tu dis, tu es un fils de Dieu et une fille de Dieu. Tu veux que le mondain t'apprécie donc, selon ses goûts. Est-ce que vous comprenez? Parce que lui, il s'habille comme un mondain. Et tu veux mettre toi comme lui aussi pour qu'il te dise, ah, c'est là, il n'est pas sorti effectivement de notre sillon. Il est toujours là. Il, ah, comment on appelle ça, vous dites comment? À la page ou à la taille? Vous dites comment? À la mode. Mais il y a un terme vraiment que les jeunes utilisent, soit... Hein, à la page. Alors j'ai compris que les Congolais, ou ça va, ils appellent les sapeurs. Alors je me dis, ici on a les sapeurs-pompiers, mais là, mais c'est vrai, frère. Il faut voir, j'ai dit, je ne suis pas là-dedans, mais il faut voir, j'ai dit, mais des vieux papas, avec un truc là, qu'on dit, j'ai dit, mais ces papas, il faut une délivrance totale. C'est pas possible. Il habite dans une case. Mais il a des vêtements qu'il a commandés chez Mokino, mon chaussier Goto, et tout ça. Mais c'est vrai. Même des manteaux d'hiver, j'ai dit en Afrique. Oh, grand sapa. J'ai dit, et c'est ça, ma soeur, c'est ça que vous voulez amener aussi ici. Parce que comme ça, quand je mets là avec des écrits de couleur violet, rouge, tu es comme un clown. Tu te rends pas compte, mais j'en ai vu un monsieur comme ça, dehors, les pensées étaient appréciables, mais couleur violet, couleur rouge, tout ça. J'ai dit, mais ça, tu es dans un cirque. Parce que dans un cirque, on voit celui qui est sur la scène. Mais on n'en a pas. C'est pour dire que nous devons bien comprendre que tout ce qui se passe, effectivement, ce n'est pas les choses qui sont importantes pour un fils de Dieu. Un fils de Dieu doit arriver à pouvoir faire son choix. Parce que si demain, tu t'en vas, le monde est là, il reste. Hein. Sa direction, vous savez, mais toi, tu es tenté, et puis tu es assis dans la maison du Seigneur, tu entends la parole de Dieu, et tu es toujours un peu là, un peu là. Ta tristesse sera tellement très grande, parce que pour quelle raison? Parce que vous avez déjà remarqué une chose. Nous avons lu avec vous aussi dans Ésaïe, hein, puis nous allons prier. Là, Ésaïe 65, je pense. Il y a longtemps, mais vous allez peut-être le lire, vous allez peut-être le trouver. Si nous pouvons le trouver comme ça, vous allez comprendre pourquoi. Vous allez comprendre cela, afin que vous sachiez ce qu'il en est. Ésaïe, je pense, 60, 65, ou 62, je pense, quelque chose comme ça. J'ai dit, c'est là que c'est, 64 ou 65. Mais qu'est-ce que c'est? Oui. Oui, je crois que c'est cela. Attendez. Merci Seigneur. Alors, c'est Isaïe 65.
Voilà. Et je pense, il est ici, verset... Verset 15, il dit, même verset 14, je vais commencer un peu plus long, mais voilà, même partie verset, verset 14, c'est bien. Voici, mes serviteurs chanteront dans la joie de leur cœur, mais vous, vous crierez dans la douleur de votre âme. Et vous, vous lamenterez dans l'abattement de votre esprit, vous entendez? Vous laisserez votre nom en imprécation à mes élus. Le Seigneur l'Éternel vous fera mourir et il donnera à ses serviteurs un autre nom. Celui qui voudra être béni dans le pays voudra l'être par le Dieu de vérité, et celui qui jurera dans le pays jurera par le Dieu de vérité, car les anciennes souffrances seront oubliées, elles seront cachées à mes yeux, car je vais créer de nouveaux cieux et une nouvelle terre, vous suivez? On ne se rappellera plus les choses passées, elles ne reviendront plus à l'esprit, amen. Parce que vous vous souvenez, il y a un temps, nous avons eu à pouvoir lire dans l'Écriture. Est-ce que quand nous serons de l'autre côté, nous nous souviendrons de ce qui s'était passé? Vous vous souvenez? Alors nous avons vu dans les scènes d'Écriture que les élus ne pourront pas se souvenir des choses douloureuses. Non, 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 non. Ils ne pourront pas se souvenir des choses douloureuses, effectivement, dans ce qu'il y a dans leur esprit. Parce que là-bas, ce n'est plus la même personne. Parce que la Bible dit que si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées. Toujours sont devenues nouvelles, effectivement. J'ai des puits sur la terre, vous comprenez cela, non? Donc, de l'autre côté, nous serons seulement dans la présence du Seigneur parce qu'il y a une position différente. Mais quand on n'est pas un croyant, est-ce que vous entendez cela? C'est là que je dis tout à l'heure. Quand on n'est pas un croyant et qu'on meurt, effectivement, oui, monsieur, on va se souvenir. Pourquoi je dis que vous êtes assis ici, vous entendez ceci, eh bien, si vous ne vous positionnez pas selon la parole de Dieu, eh bien, vous allez le regretter, parce que de l'autre côté, vous allez le regretter. Vous direz, mais frère Donat, c'est la vérité. Mais bien sûr que oui, c'est vrai. Vous voulez la preuve? Eh bien, les riches et les pauvres, Lazare. Est-ce que vous comprenez? Lazare et les riches. Lazare, est-ce qu'on vous a dit qu'effectivement, que Lazare se souvenait de tous ces mots sur la terre? Il était où? C'est dans les seins d'art. Vous connaissez, non? Se réjouissant. Mais je crois que nous pouvons les lire, hein? Dans Luc au chapitre 17. Je pense que c'est là, Luc. Nous allons regarder avec vous ensemble, hein? Luc 16 ou Luc 17. Ah, que ceci. Voilà, merci Seigneur. Luc 16. Nous allons lire avec vous, afin que vous compreniez ces choses. Luc 16, il dit, verset 19. Il y avait un homme riche qui était vêtu de pourpre et de fin lin et qui chaque jour menait joyeuse et brillante vie. Et puis, un autre pauvre nommé Lazare. Vous êtes là? Il était couché donc à sa porte couvert d'ulcères et désirait de se rassasier de miettes qui tombaient de la table du riche. Et même les chiens venaient encore lécher ses ulcères. Le pauvre mourut. Et il fut porté par les anges où c'est dans le sein d'Abraham. C'est merveilleux, hein? Le pauvre, il meurt comme ça, sortir sur souffrance. Et puis, quand il ouvre les yeux, il était porté par les anges. Donc, ça, c'est la gloire. Comment peux-tu penser à autre chose? Et puis, où c'est dans le sein d'Abraham? Et nous continuons. Et voilà que le riche mourut aussi. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il ne fut pas porté par les anges. Mais il fut donc enseveli, donc on a creusé, on l'a mis dedans. Dans les séjours de mort, il leva les yeux, et tandis qu'il était en proie au tourment. Ça, c'est les riches, hein, qui aiment toujours avoir son temps, qui aiment toujours penser à lui. Tu connaissais, nanana, bien qu'il était sur la terre, pensait qu'il connaissait Dieu, effectivement, toujours ça. Alors, mais il vit de loin Abraham et Lazare dans son sein, quand il a levé les yeux. Donc, là, il devient conscient. Parce que, il sert notre... Frères et sœurs, c'est important que vous puissiez entendre cela. Je vous en supplie. N'allez surtout pas dans un endroit comme celui-là. Vous allez le regretter. C'est sûr et certain. Oui, vous prenez des airs comme ça, mais vous allez le regretter. Et ça, c'est important. Vous ne direz pas, on ne l'avait jamais entendu. C'est écrit dans la Bible. Et c'est la vérité. Et puis, il dit, et Lazare dans son sein, et il s'écria, Père Abraham, aie pitié de moi, et envoie Lazare pour qu'il trempe le bout de son doigt dans l'eau et me rafraîchisse la langue, car je souffre cruellement dans cette flamme. Et c'est vrai.
Abraham répondit, mon enfant, c'était pas Lazare qui répondait. Hein. Non, Abraham répondit, mon enfant, souviens-toi que tu as réussi tes biens pendant ta vie et que Lazare a eu les maux pendant la sienne. Maintenant, il est ici et toi, tu souffres. Il est consolé, n'est-ce pas? Il est ici consolé. Et ici, et toi, tu souffres. D'ailleurs, il y a entre nous et vous un grand abîme, afin que ceux qui voudraient passer d'ici vers vous ou de là vers nous ne puissent le faire. Les riches disent, je t'ai pris donc, Père Abraham, vous entendez, d'envoyer Lazare dans la maison de mon père, car là-bas j'ai combien? Ah ah! Là, on n'a pas entendu Lazare dire, oh, envoyer quelqu'un pour aller dans ma famille, pour dire que, en tout cas, Lazare, je suis bien ici, mais qu'il puisse suivre là-bas. Non, non, Lazare, ne se souvenez même plus de ça. Non! Mais c'est lui qui était riche là, qui avait le monde avec lui, et puis Dieu, parce qu'il dit bien Père Abraham, hein. Puis Dieu de l'autre côté, effectivement, il s'en souvient. Et pour ça, toi, mon frère, toi, ma soeur, tu chantes bien, c'est bien. Mais tu es limitrophe, effectivement, c'est bon de venir ici. Mais les jours où tu partiras, c'est ça que tu dois comprendre, où vas-tu aller? Parce que quand l'Écriture te dit ça, toi, tu fais comme ça, toi, tu fais comme ceci. Il n'y a pas de problème. Mais un jour, il y a une finalité. Il dit, mais envoie là-bas. Nous continuons peut-être, nous allons arrêter après. Il dit, mais il dit d'envoyer Lazare dans la maison de mon père, car j'ai 5 frères. C'est pour qu'il leur atteste ces choses, afin qu'ils ne viennent pas aussi dans ces lieux de tourment. Donc il avait la mémoire. Il s'est souvenu des choses, effectivement. Tandis que Lazare, vous l'avez entendu parler encore? Non, dans le bien-être là-bas, il se réjouissait de la paix, on essuyait ses larmes, on le consolait. Oh, il est arrivé, Lazare. Est-ce que vous comprenez? Il est arrivé. Celui-là, il était dans les tourments. Maintenant, les pensées, oui, vos pensées, est-ce que vous êtes effectivement, monsieur, madame, bien sûr que oui. Parce que vous pensez que c'est une comédie ou un jeu que nous sommes en train de vivre ici et que nous sommes là dans une pièce de théâtre. Mon frère et ma soeur, c'est un privilège que le Dieu du ciel te donne, toi. Et puis tu prends cela comme si toi étais plus importante qu'effectivement que Dieu, plus importante effectivement que les choses qu'on te fait ici. Parce que tu dis, oh, moi je n'aime pas ce qu'on fait là. Non, quand tu viens dans une maison de Dieu, tu acceptes ce qu'on te dit de pouvoir faire. C'est la maison de Dieu. Il y a des principes dans la maison de Dieu. Eh bien, nous nous appliquons à cela. Cela montre déjà d'abord la reconnaissance que tu as à l'endroit de Dieu. Seigneur, tu m'as accordé la grâce de pouvoir me retrouver à un endroit où je peux te louer, te chanter. Alors aide-moi à être discipliné. Aide-moi à prendre en considération ce que toi, tu veux que je puisse arriver à pouvoir faire chez toi, dans ta maison. Attends, je veux être un instrument pour toi. Là, on comprend effectivement cela. Et là, vous savez... L'homme riche ici, il a eu un pouvoir. Et même, il a commencé à négocier d'une certaine manière ou d'une autre, parce qu'il a compris que l'endroit où il était dans notre tourment, il dit, mais va, complice, allez voir mes frères qui sont restés là-bas. Là, on se souvient effectivement qu'il y a eu deux frères, effectivement. Donc, c'est pour que vous compreniez effectivement que sa mémoire-là est encore là, parce que vous savez pour quelle raison. Votre attention, s'il vous plaît. Vous savez pour quelle raison il va se souvenir, il va voir tout ça. Parce qu'en fait, pour que toi, tu ne te souviennes pas, il faut qu'effectivement qu'il y ait quelque chose qui soit venu pour effacer tout. Est-ce que vous comprenez? La Bible dit qu'afin qu'il croit en lui, ne périsse pas mais la vie éternelle, mais qu'il reçoive aussi le pardon de ses... C'est pour ça que le Seigneur parlait effectivement de la nouvelle naissance. Ah ben oui, mon frère et ma soeur, la conscience, le subconscient, la nouvelle création, c'est le nouvel homme que Dieu a créé, qui a une mémoire tout à fait différente. Tout est nettoyé. Mais aussi longtemps que toi, tu es comme cela, que tu es ce que tu es, si tu meurs, tu pars avec ce que tu as. Est-ce que vous comprenez? C'est pour ça que l'apôtre Paul dit que ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. C'est pour ça que quand tu dois te plaindre, pose-toi la question, mon frère, parce que c'est absolument important, qui tu es toi? Seigneur, mais quand tu dois d'abord te présenter, mais qui est-ce que je suis moi? Regardez comment il négocie. Nous continuons. Il dit, alors il dit, mais verset 27, il dit, les riches disent, je t'ai pris donc, Père Abraham, d'envoyer Lazare dans la maison de mon père, car j'ai 5 frères. C'est pour qu'il leur atteste ces choses, afin qu'ils ne viennent pas aussi dans ces lieux de tourment. Abraham répondit, ils ont Moïse et les prophètes qu'il les ait. Voilà.
Ça veut dire qu'ils ont la parole de Dieu qui est prêchée. Ils n'ont pas besoin de quelqu'un qui est mort pour venir prêcher la parole de Dieu. Non, ils ont des hommes que Dieu a établis pour prêcher la parole. Qu'ils écoutent donc la parole de Dieu. Ils écoutent donc la parole de Dieu puisqu'il est prêché. Est-ce que vous comprenez? C'est pour ça que toi et moi, dans la maison du Seigneur, même quand on écoute la parole de Dieu, c'est une grâce. C'est vraiment un moment où... c'est vrai, frère, vous ne réalisez pas, mais cette parole, elle fait un travail profond. Les démons sont chassés, même si on ne prononce pas « sortez », mais rien que par la prédication de la parole de Dieu. Il y a une puissance dans la parole. Vous le sentez, vous sentez libéré. Oui, monsieur. Oui, madame. Oui, les démons ne peuvent pas se dire les mains. Quand la parole sort et que vous la croyez, frères et sœurs, vous êtes pleinement plus que vainqueurs. La victoire, vous l'avez. Oh, je ne sais pas comment arrêter la cigarette. Mais c'est parce que tu aimes la cigarette. Mais oui, par la parole que tu entends, mon frère et ma soeur. La cigarette doit s'en aller. Parce que la cigarette est un démon. Et doit trouver effectivement en face d'elle. En fait, c'est toi-même qui dois réaliser ce que tu es. Et puis il dit oui, qu'ils écoutent effectivement. Nous terminons par le début. Il dit oui. Il dit, ils ont Moïse et les prophètes qui les écoutent. Et il dit, non, Père Abraham, mais si quelqu'un de mort va vers eux, ils se répentiront. Et Abraham lui dit, s'ils n'écoutent pas Moïse et les prophètes, ils ne se laisseront pas persuader, même si quelqu'un de mort ressuscité. Voilà, c'est ça la fonction de la foi. C'est là qu'on comprend effectivement que nous sommes croyants parce que nous avons reçu la foi. Alors, pour être sauvé, il faut que nous puissions avoir la véritable foi. Parce qu'il est dit ici, effectivement, que... Mais si il ne se laisse pas prier par la parole de Dieu, même si quelqu'un qui est mort est venu, n'est pas croire à cette personne-là parce qu'il est mort et venu. Parce que c'est la chose qui vous convainc, c'est la parole de Dieu. Si déjà, par la parole, vous n'êtes pas convaincu, mais alors, cette personne qui pourra venir, même si un ange venait prêcher, vous n'aurez pas cru. Ah, ce n'est pas l'ange qui convainc. Oh, monsieur... Ce sont les saintes écritures. Et c'est la parole de Dieu qui convainc effectivement le cœur. C'est d'ailleurs la parole de Dieu qui, c'est pas quand même quelqu'un qui peut venir te dire effectivement que non, tu es un pécheur effectivement. Parce que d'abord, avec quelle appréciation il peut arriver à pouvoir avoir pour te dire que tu es un pécheur toi. Est-ce que vous me suivez? Est-ce que vous suivez? Est-ce que vous saisissez que s'il en est? Parce que, frères et sœurs, c'est lui qui détermine le péché, c'est toujours Dieu. Vous vous souvenez, non? Avec Moïse. Il avait dit ça, tu touches ça, c'est impudent. Vous connaissez, non? Mais le même Dieu, il vient, il dit à Pierre, tu es mange. Il dit, c'est que moi j'avais déclaré impur, ce que moi j'ai déclaré comme pur, je ne regarde pas comme impur. Donc ce n'est pas l'homme qui doit déterminer les degrés de péché de quelqu'un. Est-ce que vous comprenez au moins? Donc, c'est pas à moi, donc, c'est la parole qui doit te dire que ça, c'est bon, et ça, c'est pas bon. Est-ce que vous êtes ici, frère? C'est pourquoi, ne vous chargez pas de dire, ah, je me suis chargé d'un péché. Non, d'abord, vérifiez les saintes écritures. Parce que tu ne peux pas être plus saint que Dieu lui-même. Les pharisiens l'ont été. Est-ce que vous suivez moi, et vous suivez, frère? Les pharisiens ont été tellement purs, comme dit Médimon, quand on doit nous regarder, on est tellement saints. Mais quand le Dieu du ciel, le Saint des Saints, regardez, qu'est-ce qu'il dit? Mais ce sont des sépulcres blanchis. Amen. La femme surprise en flagrant délit d'adultère. Vous vous souvenez, non? Amen. C'est le verset, on va me tuer pour ça, mon frère. Je sais, ce frère, il est. Que Dieu soit béni. Vous vous rendez compte, frères et sœurs? La loi condamnait cela. Et puis c'est même qui devait être lapidé par les pierres. Vous connaissez, non? Donc la mort par lapidation. Mais expliquez-moi. Expliquez-moi, mon frère et ma sœur. Ils avaient les droits, mais ces hommes-là, Dieu soit béni. Ils ont pris la femme de là-bas où elle était. N'oubliez jamais ce que vous entendez, frère. Parce que vous n'aimez pas être prophète de vous-même, effectivement, il faut que la parole vous enseigne. Ils ont pris la femme là où elle était. Adultère, effectivement, on l'a lapidé, personne ne pouvait le pardonner. Parce que qui pouvait le pardonner? Ce n'était pas nécessaire, parce que elle était la Bible, la parole de condamner la personne. On la surprend, lapidation complète. Là où elle était, effectivement, ils l'ont pris. J'ai toujours dit, effectivement, mais ils ont fait une grosse erreur. C'est la vérité.
Vous l'avez surprise là, vous avez les pierres. Lapidez là. Qui allez vous condamner? Non, mais qui allait, parce qu'ils sont là entre eux, ils l'ont fait, mais Moïse l'a dit, on l'a fait. C'est terminé. Et puis il a dit, mais nous sommes justifiés parce que c'est fait. Mais il y a quelque chose qui s'est passé, monsieur. Parce que lorsqu'ils étaient sur la montagne, vous vous souvenez? Est-ce que vous vous souvenez? Ils ont vu qui? Élie et Moïse. N'est-ce pas vrai? Et qui faisait quoi? Qui s'entretenait avec lui? Oui, il parlait, frère, il parlait avec lui des choses qui allaient se passer. C'est vrai. Et puis, oh, Rabbi, faisons trois tentes ici. Une pour toi, une pour Élie, une pour Moïse, effectivement. Nous sentons très bien, restons ici. Oh, à ce moment-là, une nuée les couvrit. Et puis, ils ont entendu une voix qui dit, mais celui-ci est mon fils. Et qu'est-ce qu'il faut faire? Voilà. Et puis, quand la nuée est partie, qu'est-ce qu'on a vu? Il n'y avait plus de Moïse. Il dit, c'est terminé, monsieur. Plus de Moïse, plus d'Élie. Voici les dieux de Moïse. Voici d'Élie. C'est vrai, frère. Les gens lisent, mais ils ne comprennent rien, frère. Il y a eu un changement à ce moment-là. Oui, oh, que Dieu soit béni. Jésus est la réponse de notre vie. Alléluia. Oui, monsieur, oui, madame. Plus de religion. Mais il a emporté la vie, monsieur. Il y a, écoutez-le. Dans tout ce qu'il vous dira, dites pas que Moïse a dit non, ce que Jésus a dit. Amen. Voilà pourquoi. C'est un temps tout à fait particulier. La grâce est venue par Jésus. Oh oui, madame, mademoiselle, monsieur, oui. Quand ils l'ont amené là, je l'aime beaucoup, frère. Il était là, il savait que la femme était là-bas. Dieu aime l'homme, frère, mais... Vous ne réalisez pas l'amour de Dieu. Frère, il vous a construit quelque chose que vous ne pouvez même pas apprécier, imaginer. Il aime tellement l'homme. Frère, c'est extraordinaire. Donc, pendant que la femme était là-bas, avec la tête courbée, si vous voyez sa mort, effectivement, et les gens, parce que qu'est-ce qui a retenu leurs bras pour ne pas lapider la femme? Vous n'avez jamais posé la question? Non, non, frère. L'exécution était là, mais qu'est-ce qui a retenu les bras? Ils avaient les pierres et tout, effectivement. Elle était là, condamnée. Non, que Dieu soit béni. Amen. Aïe, 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 aïe. La loi est venue par Moïse. La vérité et la vie et tout ça, la justice est venue par Jésus. C'est pas vrai? Frère, comment ne pas aimer un tel sauveur? Comment se sentir toujours avec des liens, aimer le monde, être partagé par l'amour de ce Jésus? Je ne peux pas comprendre cela. Alors expliquez-moi. Ces gens, ils avaient tout. Non, il est bon, notre Dieu. Donc quand Dieu aime, il aime. Ils avaient les pierres. Soulevaient les pieds, les mains pour frapper. Ils sentaient que... Il y a quelque chose qui me bloque. Non, je l'aime trop. Il dit, alors ils se sont regardés, il dit, mais comment ça se fait qu'on n'a pas la force de frapper? Jésus était là. Vous dites, mes frères et mes frères, qu'est-ce qu'il a dit à Nathanaël? Quand tu étais sous le figuier, je t'ai vu. Quand il dit, bien sûr, il était là. Il voyait ce qui se passait et il ne le voyait pas. La pierre, on va frapper. Frère. Ah là là, nous devons l'aimer, frère. Pour toi, mon frère et ma soeur, Dieu veille aussi pour toi. Même si tes yeux ne le voient pas, il veille. Il était là. Finalement, il dit, mais oh, on sent qu'il bon. Et puis il dit, écoutez, mais non, l'autre pensée vient, mais il faut qu'on aille voir si Jésus pour le coincer. Ça va, ce n'est pas pour le coincer. Il part avec l'esprit pour démontrer aux gens que c'était un faux. En fait, c'était que Dieu voulait que la femme vienne à l'endroit qu'il fallait. Amen. Et puis, non, il est merveilleux. Il était là, occupé, effectivement, mais il savait bien ce qui se passait de l'autre côté là-bas. Très bien. Le Seigneur n'est pas ignorant de ce que vous êtes, hein. De votre état, de votre situation, de ce que vous ressentez, effectivement, c'est vous qui méprisez le Seigneur.
Parce que l'esprit charnel humain est toujours en fait beaucoup plus en grande quantité chez vous que l'esprit de Dieu en fait. Dans la partie charnelle, beaucoup plus en place que la partie spirituelle. Il faut que le spirituel monte, la chair descende. Alors vous pouvez dire à ce moment-là, nous avons goûté combien Dieu est bon. Parce que maintenant tu répètes simplement, j'ai goûté. Mais quand tu auras goûté vraiment, tu pourras dire non, le Seigneur est bon. C'est que ton spirituel est monté, la chair est descendue. Alors à ce moment-là, on verra comment tu vas te tenir dans les choses qui concernent Dieu. Tu n'as même pas besoin de pouvoir avoir 4, 5, 6 personnes à la chorale. Même toi-même. Tu viens le matin, même si les yeux ne sont pas encore là, tu commences à chanter toi-même. Parce que tu sais que c'est l'heure de chanter. Je suis seul, je chante. Je n'attends même pas que Gaël soit là. Je donne un exemple, vous comprenez? Est-ce que quand vous priez, vous rentrez comme ça, vous trouvez une sœur qui est là, des bons là. Gloire à Dieu, alléluia, t'es réécouté, sa voix. Vous connaissez là? Vous dites, oh, qu'est-ce qui se passe? Non, il fait son travail. Parce que vous voyez les gens qui vont comme ça, regardez, sœur, il ne faut même pas écouter, il ne faut même pas. Quand Dieu vous conduit comme ça, vous venez comme ça. Ouh. Alléluia, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Je n'ai pas besoin de pianistes ni de guitaristes, non. Moi-même, j'ai tellement. Gloire à Dieu, alléluia, gloire à Dieu. Vous savez, frère, c'est vrai que la musique, c'est bien, mais toi-même, l'esprit peut te faire danser. C'est là qu'on voit les degrés de la foi, de l'amour, de la personne. Il est tout seul comme ça, on le voit, il marche, il commence à crier, il dit gloire à Dieu, mais gloire à Dieu, qu'est-ce qui se passe avec ce monsieur? Vous connaissez? Je vais arrêter, hein, pour... Vous connaissez? Le papa là, dont la fille avec les âmes de la classe, effectivement, il dit, mais mon papa, il est un peu quelque part comme toqué comme ça. Il dit, mais sinon il va gâcher l'atmosphère de la classe des dames, effectivement. Qu'est-ce que je vais faire? J'ai dit, ah, et pour ne pas que disent que dans la famille, il y a quelqu'un un problème, je prends mon papa, je l'enferme dans la cave, à la mansarde, j'enlève la Bible, tout, parce que quand lui lit la Bible, effectivement, allez, on ne sait pas les tenir. Il dit, mais pour ne pas qu'il dérange l'atmosphère, je vais le mettre dans la mansarde, j'enlève tout la Bible, il n'y a plus rien. Alors elle a tout enlevé, hein. Tout enlevé, il a laissé les livres simplement, les livres tout à fait normal, effectivement. Il dit, bon, ici, je sais que mon papa ne va pas sauter parce que quand il lit la Bible, il dit, alléluia, gloire à Dieu, ça bouge partout. Mais maintenant, je l'ai privé de la Bible, il va rester là-bas tout seul. Jusqu'à ce que, avec mes amis, on travaille. Et puis, ses amis sont arrivés. Et bien, ils ont commencé leurs choses là, comme vous savez. Pendant qu'ils étaient vraiment dans leurs histoires. Aïe, 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 aïe. Il entend dans la mansarde quelqu'un dit alléluia, il sautait, ça faisait boum boum boum. Il dit qu'est-ce qui se passe? Il dit mesdames, attendez un peu, alléluia. Alors, il courait à gauche à droite, il revenait, il dit mais c'est pas possible. Et la fille monte, il dit mais papa ça va? Il dit mais qu'est-ce que tu... il dit mais tu n'as pas ta Bible? Il dit certainement je ne l'ai pas. Mais qu'est-ce qui fait que tu puisses être comme ça, comme si tu avais la Bible? Il dit, mais tu m'as laissé les livres. Non? Il dit, j'ai laissé tous ces journaux qui ne servent à rien. Il dit, oui, certainement, ça ne sert à rien, mais j'ai trouvé un livre. Et quand j'ai ouvert, j'ai vu qu'on parlait de l'océan. J'ai regardé l'océan, il m'a dit que l'océan est tellement si profond qu'on ne peut pas mesurer la profondeur. Oh, la Bible dit qu'il a jeté mes péchés dans la main de la vie. Voilà pourquoi je suis heureux. Même avec un livre, mon frère. Il a commencé à danser, à chanter, à glorifier Dieu. Mon frère et ma soeur, réveillez-vous. Amen. N'attendez pas celui-ci, celui-là, non. Toi seul. Amen. Même si on peut dire, c'est un fou. Non, oui, je suis fou pour Christ. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Mais je sens dans mon âme qu'ici, ça commence à bouger, ça commence à travailler. Je dois chanter, je dois glorifier Dieu. Parce que, et souvent, vous qui êtes dans la chorale, j'ai aussi regardé, parce que j'étais quelque part, j'ai aussi regardé. Je vous vois. Ce qui est triste, c'est que quelqu'un chante. Non, vous donnez une mauvaise image. Parce que, avant que les prédications ne commencent, les personnes qu'on voit ici, partout dans le monde, c'est vous. Vous devez être, vous êtes en fait, le miroir, en fait. C'est-à-dire que quand le gens regarde, on trouve des gens qui ont Christ, qui sont joyeux, pas... Et puis, quand on voit quand les gens disent, vous avez accompagné-le. Oui, il y a quelqu'un qui vient, qui chante, même si vous ne faut pas hausser la voix, mais quand même vous chantez, vous devez être dedans, parce que c'est votre travail, dedans. Quelqu'un chante, s'il chante faux, vous corrigez avec vos voix, mais pas il chante faux, vous êtes toujours resté. Et puis parfois on arrange un peu.
Non, ça donne une mauvaise image. Donc, il faut que vous compreniez que devant, on vous voit plus. Oui, oui, c'est sûr. Allez-y voir vos vidéos. On vous voit plus. Chacun, j'ai regardé chacun de vous. J'ai dit, mais Seigneur, mon Dieu. Mais c'est quand vous vous levez, vous dansez, j'ai dit, gloire à Dieu. Ce qui est merveilleux, ce que je vois. Je vais terminer. Ce qui est merveilleux, ce que je vois, c'est quoi? Que Dieu te bénisse, mon grand monde, te bénisse richement. Je sais, il fait ses efforts là. Il prie, il veut que vos mots, qu'on sente, il fait du bon. Et puis quand je regarde parfois, il n'aime pas beaucoup. Et puis non, et moi, quand il chante, il pousse, il tourne. Et puis je regarde, là, je vois seulement un hein, qui dit arrête. Maintenant, quand l'onction descend, on sent que ça rentre effectivement. Je vois quand même la chorale. Une se lève, deux se lèvent, trois. Et puis après, toute la chorale se lève. On sent qu'on rentre dans l'atmosphère, effectivement. Frères et sœurs, ça doit être quelque chose qui fait partie de nous. On n'a pas à regarder ce que les autres peuvent dire ou les disent. Il faut, vous savez, que Dieu nous aide. Qui nous aide. Donc, nous comprenons qu'effectivement, comme nous l'avons dit, donc, la fille a pu comprendre qu'effectivement, que les niveaux où son papa est arrivé, même s'il sort et qu'il voit un arbre qui porte des fruits. Ah oui, là, il dit, je ne peux plus être tenu. Il dit, même au dehors, il voit un arbre qui porte des fruits. Mon papa va sauter. Qu'est-ce qui se passe? Il dit, mais les fruits de l'esprit. Est-ce que vous comprenez? C'est ça notre vie, de marcher, de servir le Seigneur. Que Dieu vous bénisse de vos noms. Notre Père céleste et notre Dieu, nous voulons te dire merci. Encore pour ces instants, ce moment que tu nous as accordé la grâce d'être encore dans ta maison, Père, de pouvoir te louer et te glorifier, Père, de réaliser la grâce d'être à toi, mon bénémoine, Père Saint. Oh Dieu, de vivre réellement ce moment béni, Père, dans ta présence, pour que toi, tu puisses davantage avoir de la place, Père, dans nos enfants, dans nos frères et dans nos sœurs, mon bénémoine, Père Tibissant, dans ce peuple qui t'appartient, mon bénémoine, Père, oh Dieu, qui se donne encore davantage, mon roi, oh Dieu, dans le cœur duquel, Seigneur Jésus, tu veux vraiment pleinement habiter, Père, et prendre réellement le contrôle davantage. Mon âme te loue, mon âme t'exalte, mon âme te glorifie, pour tes grandes compassions, mon bénémoine, Seigneur. Jamais tu nous as abandonné, personne, mais tu as toujours été là pour pouvoir réellement aussi nous conduire et nous soutenir, Père. Protège nos cœurs, protège encore nos âmes, mon Seigneur. Soutiens, merci. Oh, Dieu du ciel, sois béni encore aujourd'hui pour ta grande bonté, mon Seigneur. Sois béni encore aujourd'hui pour tes grandes compassions, mon bénémoine Père Saint. Ne nous laisse pas, mon bénémoine Père Dieu, mais soutiens-nous et continuons encore, mon Sauveur. Nous avons besoin de ces dieux. Nous avons besoin de pouvoir vivre ta parole, mon bénémoine Père. Oh Dieu, la profondeur appelle la profondeur. C'est ce que toi tu lui dis, mon bénémoine Père Dieu. Oh, nous te demandons grâce, mon bénémoine Père Saint. Nous te supplions, Père, de pouvoir réellement aussi nous accorder la joie de marcher avec toi. Sois béni et sois glorifié et sois aussi exalté encore aujourd'hui, Père Saint. Mon âme te loue et te glorifie encore pour ta grande bonté et tes grandes compassions, mon Sauveur. Je t'exalterai toute ma vie entière et je chanterai ta gloire. Oh Dieu, pour tout ce que tu fais, Seigneur. Je prie pour mon frère, je prie pour ma soeur, je prie pour chaque âme, je prie pour chaque frère et soeur. J'implore ta grâce encore aujourd'hui, mon Sauveur béni, Père oh Dieu. Soutiens chacun de nos personnes. Nous crions à toi et nous voulons te servir, Père. Bénis mes soeurs, Père Tibissant aussi, qui sont aussi en connexion dans différents pays, différents endroits, Père oh Dieu. Bénis chacun de nos personnes, Dieu. Soutiens et fortifie la famille de mon frère Pilibali, qui est là-bas en Espagne, Père Saint Dieu, lui-même. Ma soeur Lily, mon précieux frère Philippe, ma soeur Esther, Père Tibissant, Dieu. Et chaque frère et chaque soeur. Et encore aujourd'hui, nous implorons ta grâce, mon Seigneur. Rebecca, mon Père Tibissant, que tu sois béni pour ce que tu fais, ma soeur Carole, mon frère. Maintenant, ils vont prendre tout un chacun de nos bénévoles, Père Tibissant. Je pense à tous nos bénévoles qui sont là-bas en France. Je prie aussi pour notre bénévole, soeur, Brigitte, Père Tibissant, chacun d'eux. Seigneur, tu connais tes enfants, tu connais ton peuple, mon bénévole, Père Tibissant. Chaque âme, chaque frère, chaque soeur, dans différents lieux où ils se trouvent encore aujourd'hui, bénévole, Père Tibissant. Ceux qui sont dispersés dans les différents comtés, dans leurs maisons aujourd'hui, Père Tibissant, nous te remercions pour Clarisse aussi, Père. Sois béni, sois exalté, sois adoré, Père. Oh, tu es le Dieu qui nous soutient, Père. Nous voulons avoir la joie de pouvoir continuer de servir encore dans ce temps de joie, vous venez de Seigneur. Oh, à cause de ton salut, nous venons, Père Tibissant. Bénis la maison de mon frère, bénis ma sœur aussi, bénis de Père Tibissant. Bénis chacun de nous, bénis le Seigneur, dans toutes les contrées. Seigneur, là-bas, en Afrique, bénis de Père Tibissant. Père oh Dieu, que ce soit, oh Dieu, merci maintenant pour mon frère Bruno, que tu as fait encore, mon frère, ma soeur.
sa famille, le Seigneur, le Père Tissant, je pense à tout un chacun d'eux. Oh, Dieu, là-bas, toujours aussi, le Père Tissant, notre bénédiction et sa famille, Père de Dieu. Oh, que tu la bénisses aussi richement, mon bénédiction, Père. Nous pensons à tout un chacun ici, Jésus. Dans tous les enfants, en Allemagne, Père Saint-Tissant, que tu bénisses, mon frère. Merci avec toute sa famille entière, mon bénédiction, Père Tissant. Merci à l'Esther, mon bénédiction, toute la famille, tous les frères, mon frère Bernard, aussi, mon frère, toute la famille entière. Nous pensons à tout un chacun ici, dans différentes contrées, Seigneur, en Côte d'Ivoire, Père Tissant. Oh Dieu, là-bas, au fait, au Gabon, partout, Père de Dieu, là aussi, Père Tissant. Mon frère Luc, Père de Dieu, sa maison, sa famille, mon frère Dieu, mon frère Joseph. Père Tissant, tous les mille et nos frères qui sont là-bas. Oh Dieu, tous ceux qui sont là-bas pour toi, mon bénévole Père. Que tu bénisses aussi, Père, dans chaque lieu, dans chaque endroit, Père. Je prie aussi là-bas pour la vie dominicaine, mon Dieu, les pasteurs. Oh Dieu, mon frère lui, que tu le bénisses, que tu le fortifies. Avec l'assemblée entière là-bas, mon bénévole Père, Dieu. Partout, Père Tissant, dans tous les endroits, Père. Nous te remercions pour tous nos frères et sœurs, la famille Peterson là-bas, Père, je prie pour chacun. Je prends ta grâce, je n'oublie personne, le Seigneur. Je connais mon cœur pour chacun de nos bénis. Ils sont tellement si nombreux. Que qu'ils soient bénis, ta nazi, mon bénévole Père, qu'ils soient bénis, mon Dieu. Nous apprenons ta grâce. Je reviens bientôt à la section de service, mon bénévole Père, en France, en Espagne, en Italie, partout, mon bénévole Père, qu'ils soient Dieu. Dans toutes les contrées, mon bénévole Père, qu'ils soient aussi en connexion. Aujourd'hui, Père Saint, qu'ils soient aussi bénis, mon roi, qu'ils soient aussi fortifiés. Nous bénissons Père Saint-Dieu, nous rendons gloire à ton Seigneur, nous te remercions pour ton sauveur. Nous sommes heureux, bénis la famille, nous l'aurons, nous bénissons Père Tissant. Par contre, ton Seigneur, bénissons nos frères et sœurs, nous te disons merci, sauve, guéris, agis, protège et manifeste la grâce encore. Oh, combien nous sommes heureux d'avoir des frères et des sœurs, Père Tissant. Oh Dieu, qui sont en communion avec nous aussi en ces lieux. Et nous connaissons pour tous les voyages que tu pourras, que tu pourras, c'est bénissons Père Tissant. Nous sommes transcendés par ce que tu fais, Seigneur. Relève, mon frère, ton Seigneur. Bénévole Père Tissant, qui soit en bonne santé. C'est brave, le Dieu l'équilibre aussi, bénévole Père Tissant, que sa famille entière de gloire pour soi. Nous te rendons gloire et honneur, sois loin, sois exalté, sois blessé, bonjour le Père. Mon âme t'est lourde pour chaque frère, pour chaque soeur. Oh Dieu, Père Tissant, on empêche partout, bénévole Père Tissant, dans différents endroits, même en Australie, là-bas, Père, mon frère, c'est pour le Seigneur, nous sommes heureux, parce que tu es vraiment Dieu. Sois béni encore pour ce jour des cigares. Regarde encore tes enfants, j'ai confiance en toi, à toi la gloire, à toi l'honneur, la puissance et la victoire. Nous chantons les chants des cieux, nous t'envoie, nous bénirons, nous t'envoie, 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 Nous voulons avancer avec toi, nous voulons être aimés par toi, nous voulons être aimés par
toi, béni le Saint-Saint. Sois la couronne de nos pâtes de chacun de nos bénis, sois la couronne de nos pâtes de je prends ta grâce encore ce jour, Seigneur. Tu es le Dieu qui guérit nos pâtes de nos bénis, élève-nous encore, mon bénis de pâtes et soutiens-nous encore le sauveur. Souviens-toi de ma soeur, souviens-toi de mon frère qui souffre, Père. Je te demande grâce. Merci. Merci. Merci au Dieu. Merci au Maître. Merci au je te demande grâce. Elle est mon Père. Mon cœur est dans sa main. Voulons être purifiés, sanctifiés, gloire. Voulons plus recevoir quelque chose de toi. Pardonne. Soutiens. Oh Jésus-Christ, mon roi. Les serviteurs sont pendant le repos de nos personnes. Se réjouissant, attendant que les derniers puissent rentrer, afin que nous puissions rentrer à la maison du Seigneur. Travaille encore nos cœurs, travaille encore nos âmes, et fortifie encore chacun de nos pères. Relève-nous encore, mon Père, mon Seigneur. Nous avons besoin de la vie de Christ dans chacun de nos pères. Nous avons besoin du Saint-Esprit. Et agis encore, je te prie. Merci. Oui, Père. Merci, merci pour mon frère. Merci pour ma soeur. Merci pour tous ceux que tu nous as donnés, Père, avec lesquels nous avons passé l'éternité dans ta présence, mon roi. Seigneur, travaille. Tu devrais de nous être vraiment qui est de mon béni de Père Tissant. Pour que la vérité soit proclamée, mon béni de Père Tissant. Pour que ce peuple revienne, mon béni de Père Tissant. Qu'il sorte effectivement de mon sort de l'étranger, Seigneur. Sois béni. Sois béni, Seigneur. Merci. Merci, 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 mon Dieu du ciel. Merci, Jésus. Merci. Merci pour ton amour, pour ta bonté, pour ta grâce. Merci. Je t'en supplie, mon Seigneur. Nos cœurs et nos âmes lavés, récurés, nous venons de ton sang. Souviens-toi, déclaré ici pour nous sauver. Oh, tu as vu ces larmes ce matin, Seigneur, mon cœur a été touché. Que tu la restaures, que tu la bénisses, elle veut être dans ta maison. Béni, déclarée, mon Seigneur. Je te loue, je te loue de tout mon cœur, mon Seigneur, qu'elle soit fortifiée par toi. Merci pour ta bonté. Merci pour ton amour. Merci pour tes grandes compassions. Seigneur, restaure ces larmes. Restaure son vivant, restaure Dieu, qu'elle vive pour ta gloire. Pour te servir en les années éternelles, qu'elle vive mon roi. Merci parce que tu l'aimes, mon Père. Sois béni en moi. Je te suis reconnaissant. Merci pour ta bonté. Merci. Nous sommes heureux de savoir que tu es présent. Nous sommes heureux de savoir que tu es celui qui nous attire. Seigneur, nous ne voulons pas perdre notre temps quoi que ce soit. Nous voulons vraiment racheter le temps, mon Père. Te donner plus de temps qu'autre chose, mon Père. Je te demande pardon pour le temps que nous n'avons pas beaucoup de Père. Aide-nous encore aujourd'hui, mon Seigneur. Nous voulons avoir le temps dans ta présence. Te donner plus de temps, Père, parce que tu es vraiment précieux pour nous. Merci. Merci de nous avoir réveillés, Père. De nous avoir rappelé cela, mon Père, de ne pas tout ça, afin de nous consacrer à toi. Nous avons perdu beaucoup de temps, des choses inutiles. Je t'en supplie. Pardonne-nous encore, mon Père. Soutiens-nous, Père. Merci. Merci, oh Dieu. Plus de temps, toi, mon Père, de ne pas tout ça. Sois béni, Père. Merci. Merci au Maître de Dieu. Merci au Dieu du ciel. Merci au Maître de Dieu. Oh Dieu, merci. Merci. Oh Dieu du ciel, aide-nous. Nous voulons traverser la barrière de l'assurance que nous t'avons, Maître de Dieu. Nous voulons traverser, sachant que nous rentrons au chemin à la maison. Pas prendre notre chemin, mon béni, mon Père, mais le chemin qui mène vers toi. Toi qui es mon Père, tu es allé
nous attendre, Père. Je te remercie parce que tu intercèdes pour nous, Père. Tu connaissais nos faiblesses, nos manquements, nos souffrances. Pardonne-nous, Père. Merci. 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 Je te suis reconnaissant. Je te suis reconnaissant, mon Seigneur. Pardonne-moi encore, mon Dieu, Père Dieu. Délivre-moi encore, mon Seigneur. Merci. Pour ton peuple, pour les prix que tu as payés au milieu de la paradise, tu ne veux pas qu'ils soient gardés en esclavage, pas qu'ils soient peints. Tu veux que ton peuple soit libre, Père, qu'il puisse te louer dans la liberté, dans la joie, dans la consécration. Mon âme te loue et te glorifie, t'exalte et recevoir. Sauve encore aujourd'hui, mon Père. Je t'en supplie parce que le monde s'en va au milieu de la paradise. Le monde est fini au milieu de la paradise. Les temps des nations sont comptés, mon béni Seigneur. Oh, nous te supplions, Père, la grâce que tu nous as accordée de pouvoir avoir les yeux ouverts et de voir ton programme se dérouler, Père, sous nos yeux encore aujourd'hui. Béni sois-tu, Seigneur. Gloire à toi. Nous croyons, Père. Fortifie nos cœurs. Nous voulons te voir. Je te demande grâce, mon Père. Que nos yeux soient vraiment fixés sur toi constamment, sans tenir compte de qui que ce soit, de ce que toi tu es, ce que toi tu dis et ce que toi tu fais, Seigneur. Libère les captifs encore aujourd'hui. Merci, Père. Mon Père, mon Dieu. Oh, Dieu du ciel. Merci. Merci. Merci, oh Maître béni Dieu. Tu ouvres nos yeux. Tu touches nos cœurs, mon béni Père Saint. Nous voulons être là où le bienheureux se trouve, mon béni Père Saint. Nous voulons être là où toi tu es, mon béni Père Saint. Nous voulons trouver notre chemin. Nous l'avons déjà trouvé sur la terre. Tu es le chemin, tu es la vérité, tu es aussi la vie, mon Sauveur. Nous avons besoin de toi, de rester fermement dans ce chemin que tu as tracé, Père. Merci. Merci beaucoup, Père. Oh, Dieu du ciel. Oh, Dieu du ciel. Merci pour tout. Merci pour cette grâce et privilège. Merci au Dieu du ciel, merci. Tu prends soin de nous, Père. Garde-nous encore, mon roi. Merci. Merci, Père. Reçois nos remerciements et notre reconnaissance. Merci. Merci pour le cœur et l'âme que tu as sauvé. Merci. Merci. Merci, Père Dieu. Merci, Père. Amen. Merci, mon Sauveur. Merci, Père. Merci de tout cœur. Tu es Dieu. On se rejoint en toi. Nous voulons vraiment te donner le temps, mon Sauveur. Te donner ce qui te revient de plein droit. Gloire à tes soirs rendus. Ce matin, je te remercie. Pour chaque frère et chaque soeur que tu m'as accordé l'argent d'avoir perdu, c'est vrai. Nous te disons merci parce que tu as fait de nous un peuple uni en toi, mon béni, pour que quand cet temps-là viendra, nous nous retrouvions de l'autre côté, Père, ensemble à tes pieds pour pouvoir te louer, Père. Nous te disons merci, Père. Nous louons ton nom pour ton amour et ta bonté, Seigneur, pour l'œuvre extraordinaire de l'unité que tu opères dans chacun, Père Dieu. Et nous ramener dans cette unité de la foi. La parole dans cet amour, un lien merveilleusement puissant, Père, dans lequel tu nous as placés. Je prie pour mon frère, je prie pour ma soeur, je prie pour mes enfants, petits-enfants, pour la famille tout entière, mon béni, Père Saint-Dieu. La grâce d'être à toi, marie-nous, de servir, mon béni, Père Dieu. Merci. Sois exalté encore aujourd'hui. Tiens, mon Père. Merci. Merci. Oh, Seigneur, je suis sorti dans l'esclavage.
nous libérer, Seigneur. Chaque tour, il jette ses cris.